Ah, bien le rebonsoir à toutes et à tous. J'espère que voilà, ça va un petit peu mieux au niveau de la connexion. De la connexion du coup de ce qui se passe chez Twitter. Alors je regardais là sur la chez comment ça s'appelle Ah merde, du coup j'ai oublié le nom du site que nous avait donné Sukato. Dawn Detector, voilà, sur Dawn Detector. Et bon, vous voyez que la courbe commençait à rebaisser un petit peu. Donc soit les gens rencontrent moins de problèmes, soit tout le monde s'est barré de Twitch pour ce soir. Donc ceci peut expliquer cela, mais bon, en attendant, si vous me dites que ça tient, on va pouvoir avancer, on va essayer. Si jamais ça redéconne, on va faire une croix pour ce soir et puis on ira faire autre chose. On a tous de quoi s'amuser à gauche, à droite, ou alors on pourrait même se faire un clash of code sans forcément être en live. Ça peut marcher aussi. Allez, je retourne sur mon écran, je vous partage un petit peu ça, je vous montre. Je vous réexplique un petit peu les choses que j'avais faites. Alors tiens, voilà, c'est marrant parce que ça, c'est le petit circuit que j'avais mis en place tout à l'heure, avant que je coupe le live à cause des petits problèmes de connexion. Et finalement, pour le moment, les fourmis se sont contentées du chemin qui n'est pas le chemin le plus court, mais via l'algorithme qu'on a mis en place, c'est ce chemin-là qu'elles préfèrent utiliser pour le moment. Voilà. Donc ça va être rigolo. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va rajouter quelques critères justement sur la zone d'interface graphique de manière à pouvoir jouer sur les paramètres qu'on a à notre disposition. On va sûrement faire également quelques petits ajustements au niveau du code. D'ailleurs, j'ai préparé certaines choses par rapport à ça. Salut Wanarov, j'espère que la balade a été bonne. Notamment par exemple au niveau des cellules. Et bienvenue Maréchaussée, bonjour à toi. J'espère que tu ne vas pas nous mettre un PV. Hein, c'est... J'espère que tu n'es pas là pour nous sanctionner. Au niveau des cellules, donc avant on avait les cellules voisines, on avait le type de cellule, et maintenant j'ai réintégré le fait que chaque cellule sait combien elle a de... Tout est en ordre, tout va bien alors. Il a commencé à pleuvoir. Donc chaque cellule sait combien elle a de fourmis qui sont placées sur sa case. Donc comme ça, ça va être intéressant, sachant que la fourmi, elle, de son côté, elle sait toujours sur quelle case elle se situe. Et simplement, en fait, quand elle arrive sur une case, eh bien, elle appelle, je retourne ici, elle appelle la méthode addHunt de la cellule pour dire tu m'ajoutes, en se passant comme paramètre. Et quand elle quitte une cellule, eh bien, elle dit à la cellule retire-moi de toi, je ne suis plus chez toi. Voilà. Donc ça, c'est ça va être assez intéressant. Parce que ça va nous permettre, par exemple, de gérer au niveau des directions. Est-ce qu'il est possible de proposer une cellule dans le sens, est-ce qu'il y a de la place pour qu'une fourmi vienne se placer dessus? Si jamais la cellule, il y a trop de fourmis dessus, c'est niet, on ne lui permettra pas de venir s'agglutiner en plus sur cette cellule-là, on ne lui proposera pas cette direction. Je suis en train de me dire que ça va peut-être être d'ailleurs un petit peu plus compliqué que ça, dans le sens où il y a du mouvement au niveau des fourmis, et que peut-être que là je vais vouloir aller sur une cellule, mais en fait les fourmis de cette cellule là n'ont pas encore fait leur mouvement, donc techniquement il n'y a pas de place aujourd'hui, on me permet pas d'y aller. Mais en fait, si j'étais passé dans un autre tour, peut-être que après j'aurais pu percer quand même sur ce tour là donc bon, ça va peut-être avoir des effets de bord un petit peu particuliers, mais en tout cas ça pourrait être une contrainte supplémentaire intéressante. Au niveau des des paramètres, pour le moment on a la vitesse de dissipation des phéromones et puis la quantité de phéromones que dépose une fourmi, donc quand elle arrive sur une case, donc à chaque fois qu'elle passe sur une case elle dépose une certaine quantité de phéromones. Et puis on aura à rajouter également des choses au niveau justement de la fourmi et du choix qu'elle, de sa manière de procéder pour choisir la cellule sur laquelle elle va aller, et notamment des poids au niveau donc de la sélection de la cellule, au niveau de l'aléatoire. C'est-à-dire que là actuellement, donc on a une sélection vraiment aléatoire des directions dans laquelle on veut aller, et simplement donc on a la probasum. Every proba, alors les probas, elles sont peut-être calculées ici, voilà. Une cellule avec phéromone a 5 fois plus de chances d'être sélectionnée, enfin,
On multiplie par 5 la quantité de phéromones de la cellule et on l'ajoute à 1 pour obtenir la probabilité globale de choisir cette cellule-là. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on pourra jouer pour mettre une force plus ou moins, un intérêt plus ou moins fort de la phéromone quand on arrive sur une cellule. Donc Fritz, bonsoir à toi. Zizou, bonsoir également. Je n'ai pas compris c'est quoi le remove ant. Alors, je vais te réexpliquer ça. En fait, la cellule, je lui ai rajouté une liste qui lui permet de savoir combien il y a de fourmis finalement sur elle. C'est-à-dire la liste des fourmis qui sont présentes sur la cellule. Et en fait, quand une cellule, quand une fourmi arrive sur une cellule, bah, elle dit à la cellule, ajoute-moi. Et puis quand elle quitte une cellule, elle lui dit, retire-moi, puisque je ne suis plus chez toi. Voilà, donc ça, c'est la fourmi qui demande à la cellule de le faire. Bah, voilà, voilà. Bonne description, bah, ça enlève une fourmi, mais oui, je pense que la question de Zizou, c'est ouais, mais ça l'enlève de quoi? Et voilà. Donc ça enlève la fourmi donc de la cellule. Ah non, ça a changé. Pourquoi ça a changé, Wanarok? De quoi est-ce que tu. Qu'est-ce qui a changé? Bon, je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, sachant qu'effectivement, il y a une méthode. Remove ant de manière générale. Le remove ant, tu penses peut-être au remove ant d'hier, justement, qu'on avait fait hier, et qui était cette fois-ci présente dans le contrôleur. Cette méthode-là, elle existe toujours au sein du contrôleur. Et là, effectivement, le remove ant du contrôleur des fourmis, son rôle, c'est vraiment de supprimer une fourmi du jeu, enfin du jeu, de la simulation. C'est-à-dire que là, ça correspond à mon bouton moins 1 qui va venir supprimer, en fait, les fourmis les plus anciennes qu'on avait dans la simulation. Et donc après je peux en rajouter et je peux en enlever, mais ça enlève toujours les. Ça, en fait, dans l'ordre inverse, c'est une file, c'est-à-dire premier ajouté, premier supprimé. Voilà. Avant le remove ant, c'était le bouton sur le côté pour le. Voilà. Donc en fait, il y a les deux. Il y a le remove ant qui permet de supprimer une fourmi de la simulation. Mais ça, c'est un remove ant au niveau du contrôleur des fourmis. Et il y a le remove ant qui est au niveau de la cellule qui permet de dire je retire cette fourmi-là de ta collection, de manière à ce que tu puisses. Puisse comprendre que bah, cette fourmi elle est plus chez toi. Ok, alors ceci étant fait, donc on avait dit ce qui serait pas mal là, c'est de rajouter justement ce petit paramètre de poids. Je pense que ça ce serait un petit plus. Donc on va aller dans l'index. Bon, je vais peut-être espacer un petit peu les champs pour qu'on y voit plus clair. Et puis, bon, on a la vitesse d'évaporation des phéromones, on va le mettre juste en dessous. Voilà, on va mettre importance des phéromones dans la décision. Voilà. En texte, on va mettre, je vais mettre quoi? Je vais mettre poids P. Voilà, poids de la phéromone. Et puis le step. Oh, step, je pense qu'on peut y aller en 0,5. Minimum, bon oui, 0, ça peut marcher. Et donc TIST, poids. Alors, on peut mettre weight. Voilà, weight P. Et importance sans M majuscule. Donc là, comme ça, on a notre petit truc ici. Au niveau du view, bah déjà du modèle settings, on va rajouter un attribut pour gérer ça. Donc, je vais le rajouter en dessous. Et donc là, on a dit weight of the pheromones in the choice of the next cell. Donc, empty member, on a dit pheromone weight, voilà, type number, valeur par défaut parce qu'il en faut une, this. Roman weight, on va lui mettre, bon, pour le moment c'est 5, donc on va lui mettre 5. Ensuite, ici, pheromone weight, this point. Pourquoi il n'est pas d'accord? Ah, il n'y a pas la virgule. Il n'y a pas la virgule, pheromone weight. Voilà. Ah oui, puis je sais, c'est pas dans l'interface tout en haut, mais bien sûr, hop, voilà, donc ça c'est un number, bim bam boum, on enlève cet espace-là pour que ce soit plus cohérent, bah oui, dans la forme, donc on a le toArray et il nous manque le fromArray, this.pheromoneWeight, oh, obligé de mettre le underscore, voilà, est égal à data.pheromoneWeight,
Pheromone weight ou this point pheromone weight. Et voilà, donc ce morceau-là, le settings s'est mis à jour. La partie donc view settings, maintenant, il faut qu'on attache un événement sur le champ texte. Là, on va aller sur un getElementById de txt weight p, addEventListenerChange, visible.controller.settings.pheromoneWeight est égal à parse de blablabla. Voilà. Et puis ici, ben, j'ai juste à récupérer dans settings le pheromone weight. Et ici, je me suis fait une petite méthode qui va me permettre directement d'affecter un champ texte un nombre. Donc ça trouve le champ texte correspondant et puis ça définit également le nombre de décimales qu'on veut derrière le chiffre. Donc en fait cette méthode NumberField, elle appartient à la classe View dont hérite le ViewSettings. Et en fait j'ai fait une classe générique View qui implémente Observateur et qui propose cette méthode qui permet de définir la valeur de champ. Voilà. C'était plus sympa de le faire comme ça. Ça permet à plusieurs vues d'avoir accès à cette méthode. Ça fait un truc qui est plus propre et qui est mieux orienté. Alors, c'est quoi déjà le raccourci pour faire la propriété? Alors, le véritable raccourci, je crois que c'est prop ou property en TypeScript. Je ne sais plus. On va voir, prop. Voilà, c'est prop. Ça, c'est le raccourci de base qu'il y a dans Visual Studio Code et qui te permet effectivement de créer l'attribut, son getter et son setter automatiquement. Ce qu'il y a, c'est que j'ai horreur de la manière dont c'est présenté. En général, un getter ou un setter, ça tient sur une ligne. C'est rare que tu aies 26 000 lignes de code dedans. Donc, le fait de le présenter comme ça, ça me gonfle. Donc, en fait, moi, j'ai réécrit le mien. Je me suis fait un snippet et qui me permet, en fait, avec Member, d'avoir directement cette présentation-là qui me semble beaucoup plus appropriée pour le cas des propriétés. Et donc, pour faire ça, eh bien, tu vas... Oh, punaise, par contre, je ne me souviens même plus dans Visual Studio Code comment on fait. Dans les snippets, je ne sais plus, snippets, configure user snippets. Donc moi, j'étais allé dans TypeScript, dans TypeScript React, c'est devenu, non, je pense que c'est peut-être JavaScript TypeScript. Comment ils l'ont appelé? Ah non, bah, il y a TypeScript, c'est bizarre, il n'y a pas TypeScript tout court. Ouais, c'est clairement pas celui-là. Mais bref, tu peux définir, c'est un bête fichier XML, je crois, ou un JSON, c'est même un JSON tout bête. Et du coup, c'est vraiment facile à faire pour avoir ton propre snippet. Par contre, là, je suis quand même vraiment surpris parce que je ne retrouve pas le mien. Configure user snippet. Ah, mais il est peut-être là, TypeScript JSON. Ah, bah voilà, existing snippet. Voilà, il est ici. Et donc là, voilà, tu vois, moi j'ai ajouté un add class property. Donc ça, c'est l'intitulé en fait du snippet. Préfixe member. Donc ça, c'est le mot-clé que tu tapes. Et ensuite, quand tu fais tabulation, tac, tu as le snippet qui apparaît et qui remplace ton préfixe. Et puis ensuite, donc tu as une partie body. Et donc, tu mets ton private underscore dollar. Et puis, tu peux... Enfin, underscore, pardon, il fait partie de ma chaîne. Et donc, tu peux mettre des tags. Donc, dollar, ouvrez entre crochets, donc 1, 2 points, le nom de ton paramètre. Et comme ça, tu peux le réutiliser à différents endroits. Donc automatiquement, il va être dupliqué. Et puis là, par exemple, j'ai un deuxième paramètre qui est le type de l'attribut. Et en fait, bah, à chaque fois, ton body, c'est un tableau de chaîne de caractères. Et chaque chaîne correspond à une ligne qui sera mise. Donc à chaque fois, en fait, que tu as une virgule, c'est comme si tu avais un retour chariot. Et puis donc ensuite, tu auras la ligne du dessous et ainsi de suite. Donc ouais, c'est un bête fichier édité. Ça se fait vraiment facilement. C'est franchement bien pensé. C'est beaucoup mieux foutu que sous Visual Studio où là on est sur du XML pour le coup. Donc c'est plus lourd, plus barbare entre guillemets à utiliser. Mais voilà, et là tu vois par exemple ça me permet d'ajouter une ligne vide directement en dessous. Donc comme ça me permet d'ajouter plusieurs attributs directement sans avoir à faire de espace ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment pratique. Donc voilà. Donc hein, je la commande, j'ai fait un petit F1 pour obtenir ça, puis ensuite j'ai tapé snippets et c'était bon. Et bonjour à toi Pastex, je crois qu'on a un végétarien qui nous a qui nous a trouvé ce soir, qui nous a rejoint. Bonsoir à toi. Je suis vraiment désolé par rapport à ton pseudo, mais j'ai mangé un steak ce soir.
Donc là, pour le coup, je suis désolé, je suis un peu en team steak, moi. Salut Louis, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Hey, vous êtes vachement nombreux, mine de rien, ce soir, vendredi soir, 18 personnes, c'est plutôt cool, malgré en plus les petits soucis qu'il y a eu avec Twitch. Non, c'est top, c'est cool. Donc du coup, ben, on a ajouté ça, ben, c'est bon en fait, normalement, on a notre paramètre maintenant. Alors si, on a notre paramètre, mais il n'est pas intégré, bien évidemment. Donc là, ça va être dans Hunt. Et en fait, c'est quand on déplace la fourmi. Voilà, je vais retrouver mes mots. Donc on lui donne déjà comme paramètre le Dropped Pheromone Quantity. Et on peut lui donner également comme paramètre, du coup, le Pheromone Weight, qui sera également un nombre. Ce pheromone weight, on va le transmettre en paramètre, bah, du coup, à la méthode select next tail. Voilà, hop, puisque c'est à cet endroit-là qu'on va avoir le calcul des probabilités. Et donc, le pheromone weight, on va le mettre ici en remplacement de la constante qui était de 5. Comme ça, bah, de cette façon, ça va permettre de donner du poids, un poids qui va varier aux cellules en fonction de est-ce qu'il y a de la phéromone ou pas. Donc ici, il faut juste que je rajoute l'attribut, le paramètre pheromone weight. Et à partir de là, on est tout bon. Bien évidemment, on n'oublie pas de recompiler tout ça avec un petit TSC que je n'avais pas activé. Donc on va se mettre en mode watch, ce qui fait que du coup, ça régénère à chaque fois qu'on enregistre. En JS, les getters setters, je trouve pas ça fou parce qu'on peut quand même faire une mutation. On peut quand même faire une mutation qu'avec le get. Alors, ah bah oui, parce que si tu as des objets, en fait, le problème, c'est que tu passes par référence. Donc si tu passes par référence ton objet, effectivement, après, derrière, bah, t'es pas sûr qu'il soit constant. Ça, c'est vrai que c'est un problème, mais ça, c'est le problème de JavaScript tout court, hein, c'est ce côté constant. Ah, j'ai une erreur, par contre. J'ai une erreur. Pheromone weight was not provided. What? Dans hunt.ts, à la ligne 44? Non. 52. Donc ici, pheromone weight, the point number. Comment ça, not provided? Non, je pense que c'était tout à l'heure. Ah non. Et je comprends pas. Ah, ok. Non, si je comprends mieux. C'est plus haut. C'est en simulation. Voilà. Donc là, this.settings. Pheromone weight. Oui, donc oui, effectivement, quand tu es avec un get, tu es pas, tu retournes quelque chose qui n'est pas forcément constant. Et du coup, ouais, si t'es pas un type de base, forcément, il sera mutable. Donc après, voilà, moi, ça me choque pas plus que ça, dans le sens où, après, c'est aussi à toi de faire gaffe à ce que tu fais. Et puis voilà, quoi. Alors, et puis, bon, le côté aussi mutable, non mutable, avec les fonctions pures et tout, tu irais voir le channel fin, c'est en rapport avec le dernier live, sur comment caster une variable en TS. Oui, alors je sais, il faut... qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est. Ah, ça y est. Ce Kato qui va encore vouloir me taquiner. Allez, on va perpéter le Discord. Et pourtant, je suis allé sur le truc feedback live, j'ai rien vu tout à l'heure sous Kato. Tu viens de me le mettre? Ah bah voilà! Eh ben voilà. Alors, possible uniquement si la fonction méthode appelée est générique. Oui, ben ça c'est logique. Et puis asType. Bah alors oui, effectivement, il y a ça. Call some method. Ouais, mais alors, attention. Alors, attendez, je vais vous partager mon écran. Ça, c'est pas un cast, hein, sous Kato. C'est tu dis juste que voilà, tu as un type qui est de type de telle variable. Donc en fait, on ne va pas faire une inférence de type ici, c'est-à-dire que le type de type 1 ne va pas être défini automatiquement par la valeur de retour de callSumMethod. Mais on lui dit, voilà, type 1, il est de type type. Et puis, on appelle callSumMethod. Et si jamais callSumMethod nous retourne quelque chose qui n'est pas de type type, ben, on aura une erreur. Donc là, on n'est pas sur un cast. C'est juste du. C'est juste qu'on ne passe pas par l'inférence de type pour définir le type de cette variable. Ensuite, ici, il n'y a pas de cast non plus, c'est-à-dire que tu appelles une méthode qui est un template, en fait, hein, ni plus ni moins. Donc, c'est de la métaprogrammation. Et puis, tu lui dis, voilà, ma méthode, elle travaille avec ce type-là.
Mais on n'a pas non plus de caste qui s'opère ici. C'est juste qu'on appelle la méthode qui travaille, on la définit pour travailler avec un certain type de variable. Donc là encore, pas de caste et de l'inférence de type qui permet d'alimenter type 2. Et puis enfin, donc type 3, là effectivement, tu as un caste, c'est-à-dire que ta méthode te retourne une valeur et tu lui dis cette valeur-là, il faut l'interpréter comme étant de tel type. Alors, soit tu as quelque chose qui effectivement est correspondant à ce type-là parce que tu as de l'héritage, etc. Et si jamais ce n'est pas le cas, bah, tu risques d'avoir des groupettes qui vont t'arriver à la tronche. Après, autre méthode de caster quand même en TypeScript, c'est le fait de mettre des chevrons devant la méthode de retour. Et ça ressemble plus à du C++, mais du C, on va dire du C, mais ou quoi que. Bah, du mauvais C++, on va dire, puisque maintenant il y a toutes les dynamiques cast et autres qui existent. Alors, WallaRock, wow, et JS et Getter, je trouve pas ça ouf. Point, point, obj. WallaRock, oui, ça ne fonctionnera qu'avec des types primitifs. Bah, les arrays, les objets et tout ça, non. Bah, normalement, les arrays et les objets, comment? Ils sont mutables par défaut, alors que les autres sont immutables. Si ton objet contient un objet, ça ne fonctionnera pas. Ouais, on pourra quand même faire une mutation. Ouais, bon. Après, voilà, je pense que sur l'histoire de la mutation, faut. Le problème de l'immutable absolu avec les fonctions pures, machin, c'est que par contre, tu fous de la fonction à tire-larigot, quoi. En tout cas, sur des langages comme ça, et même de manière générale. Et c'est vrai qu'à une époque. Les fourmis, elles attaquent même le vendredi. Ouais, c'est un truc de dingue, Niliam, même le vendredi. Si vous voulez, il y a une époque où, par exemple, quand je créais une collection qui utilisait un vector, alors je parle du C++, hein, mais bon, en gros, un tableau, ou, enfin une collection quelque part, une collection de quelque chose. Donc, je créais un manager de cette collection. Donc, à l'intérieur, j'avais ma collection, et ensuite, je redéfinissais les méthodes pour ajouter un élément, pour en retirer un, etc. Bon, c'est rigolo, mais sauf qu'en fait, quand tu réfléchis bien, sauf si tu as besoin de déclencher des événements sur ces opérations, si tu sais que tu n'auras jamais besoin de déclencher d'événements là-dessus, c'est con de réinventer. Enfin, je trouve ça con de réinventer la roue. Tu donnes accès effectivement à ton attribut. Alors, tu ne permets pas qu'on fasse la modification du tableau. C'est-à-dire, enfin, tu ne permets pas qu'on mette un autre tableau dans la case où se situe ton tableau. Par contre, tu laisses accès aux méthodes de length, add, remove, etc. puisque c'est l'utilisation que tu veux faire de ta collection. Donc, je suis d'accord que voilà, il y a des règles qui sont posées aujourd'hui pour éviter des soi-disant effets de bord et autres. Mais bon, après, il faut aussi savoir ce qu'on fait un petit peu, quoi. Techniquement, avec un object freeze, tu peux probablement. Alors, le freeze, je sais plus, il y a un truc qui déconne avec le freeze. Déjà, c'est pas reconnu partout. Moi, je sais que j'avais eu des trucs où c'était pas reconnu le freeze. Et puis, c'est pas ouf, je crois. Il y a des trucs où ça merdouillait. Je sais plus où, mais j'avais fait des essais et j'avais pas été convaincu de la méthode. Bon, ok. Allez, je quitte Discord. Et puis, où est-ce qu'on en était? On en était qu'on avait passé tout ça et que donc du coup maintenant on peut réactualiser hop, notre petit truc. Et donc là maintenant on a le poids des phéromones dans la décision de la souris. Alors, ce qui est de la souris, de la fourmi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre, il faut quand même que je démarre un petit peu la simulation, voilà. Je vais mettre plein de fourmis et effectivement on va mettre un poids très très fort sur la phéromone. Donc par exemple, on va mettre 100. Peut-être pas 1000, mais 100. Donc là, normalement, une fourmi aujourd'hui n'a aucune chance de repartir par en bas, si ça marche. Voilà. Il n'y en a aucune qui repasse par en bas. Elles vont là où il y a de la phéromone, mais là où il n'y en a pas, c'est mort. Avec ce taux-là, c'est pas possible que ce soit possible. On voit toujours pas combien de fourmis. Oui, ah! Ça va arriver, ça va arriver. On va voir ça, Wanarock, on va voir ça. Donc là. Ça va vraiment nous permettre. On voit que le truc fonctionne bien. Je recheck quand même si ce n'était pas un coup de bol. Mais non, on voit que là, vraiment, ce n'est pas une histoire de coup de bol. Il n'y a pas moyen. On ne va pas là où il n'y a pas de phéromone. Donc là, le poids de la phéromone est vraiment très fort.
Et donc, ça provoque ce genre de choses. Alors là, on voit également, donc les fourmis, elles sont passées. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'augmenter la vitesse d'évaporation voilà, des phéromones. On voit que là, ça s'évapore quand même beaucoup plus vite maintenant. Peut-être même trop vite, du coup. Donc là, voilà, on voit en tout cas qu'on peut jouer sur les différents facteurs et qu'il y a un impact quasi vraiment immédiat de ce qui se passe. Donc ça, déjà, c'est cool. Tous ces petits facteurs-là, on va pouvoir jouer dessus, pouvoir jouer dessus. Il n'y a pas un bouton pour accélérer la vitesse. Alors non, effectivement, je n'ai pas géré la vitesse, on pourrait le faire. Pour le retour des fourmis, pourquoi ne pas laisser une chance de suivre une piste de phéromones? Sur le retour, si elle est plus forte que la piste qui a servi à venir. Alors, c'est vrai que pour le moment, là, on travaille uniquement avec comment? Avec une liste, c'est-à-dire qu'elles enregistrent le chemin qu'elles ont pris et elles reprennent le même chemin pour revenir. Mais effectivement, on peut s'amuser à faire ce genre de choses. On pourrait réfléchir à ça. Alors, attendez, ce que je vais faire, je vais prendre un papier. Un crayon et puis on va se donner des pistes. Attendez, j'ai un bloc-notes qui est juste à côté là-bas. Hop, voilà, le bon vieux papier, le crayon, rien de tel. Alors, vous êtes, ça monte, c'est incroyable. Alors juste pour refaire le coup du teasing pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure et qui n'ont pas entendu le truc, le teasing il est extrêmement court. C'est un extrait de teasing pour notamment pour demain. PC Soft, vous savez, la boîte qui développe WinDev, on a fait un live la semaine dernière avec Christophe dessus. Donc c'était juste pour vous dire que PC Soft m'a appelé. Voilà, ça c'est le teasing. Maintenant, demain on en reparle. Voilà, demain à 15h, soyez là pour le live de Christophe. Le hic, c'est qu'elles partent en même temps, du coup. Alors, là, le hic, c'est qu'elles partent en même temps, c'est juste parce que j'en ai créé beaucoup. Mais tu vois, là, je peux très bien, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce bouton, je peux faire un start, et puis, tu vois, les envoyer de manière beaucoup plus diluée. Donc c'est pour ça, tu vois, pas de panique là-dessus, on peut vraiment gérer la diffusion un petit peu comme on veut. La sponsor WinDev. Je ne dirai rien ce soir, je ne dirai rien. Pas de spoil, juste du teasing d'enfoiré, je suis d'accord, mais juste du teasing. Bon, donc tu m'avais proposé, c'était physics ou... Non, c'était ARF TNL. Et d'ailleurs, bonsoir à toi, je suis désolé, parce que voilà, je lis ton message, je pique ton idée, enfin j'ajoute ton idée à la liste, mais je ne te salue pas, ça ne va pas du tout. Donc ARF, bonsoir à toi. Je veux savoir comment ton live est remonté jusqu'à leurs oreilles. Demain 15h, Soukato. Donc, tu disais, au retour, choisir la piste de phéromone la plus forte. Alors après, il y a une solution à ça, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire... Pour le retour, on annule simplement la notion de liste, et puis on fait le même procédé finalement que pour l'aller. C'est-à-dire que si autour de moi, il y a une piste de phéromone qui est assez forte, on y va direct. Je ne serai pas là à 15h, zut. Ah, peut-être que j'annoncerai un peu plus tard, tu vois, histoire de vraiment faire durer le suspense à Léo. C'est à quelle heure je veux des réponses? ça sera normalement à 15h. 15h, 18h, et cette fois-ci, on va essayer de faire en sorte de tenir le timing. La dernière fois, on a un petit peu débordé. Donc là, on va essayer d'être un petit peu plus rigoureux et de moins se disperser. On répondra toujours aux questions, hein, c'est toujours l'objectif. Et Christophe, en fait, il a prévu d'aller un petit peu plus loin au niveau de la technique avec WinDev. Donc notamment, on va faire un petit peu d'objets. On va faire que je dise pas de bêtises, il a prévu de l'expression lambda du fonctionnel et il a prévu également de faire de l'ingénierie inverse avec on fait la modélisation UML et ça nous génère automatiquement les classes. Il y a déjà tout ça dans WinDev. Donc, en fait, c'est comme si vous avez déjà utilisé Visual Paradigm qui, à partir de votre modélisation UML, vous génère vos classes Java ou vos classes C++.
Bon, bah là, il y a à peu près le même outil intégré à Windev. On peut faire ça, clin d'œil. Attends, voir, je ne serai pas forcément annulé, mais plus la piste est forte, plus. Oui, je comprends. Je comprends ce que tu dis. AFNTN. En fait, pourquoi est-ce que j'avais mis cette liste en marche? C'est parce que le risque, c'est qu'elle croise une piste de phéromone qui l'éloigne finalement. C'est qu'il ne soit pas une piste de retour, tu vois, mais une piste qui l'emmène ailleurs. C'est pour ça qu'on avait fait ça. Mais laisser une probabilité de prendre le chemin d'origine au cas où il serait plus rapide, mais qu'au départ, plus de fourmis sont passées par le chemin long. Alors, ça c'est pareil, le fait que le chemin est plus rapide, techniquement, on n'en sait rien, parce que dans la phéromone, il n'y a pas l'information de longueur du chemin, il y a juste l'information de il y a un chemin. Donc on ne connaît pas la longueur du chemin de phéromone. Et d'ailleurs, on le voit là, c'est qu'elles se font en fait couillonner parce qu'il y a plein de fourmis qui ont pris le chemin du dessus, et du coup, ça déconne. Par contre, si maintenant j'augmente un petit peu, je double la vitesse d'évaporation, bah, peut-être qu'on va avoir un résultat un peu différent, parce que comme le chemin du haut, justement, est très long, et ben du coup, les pitchouns là, qui font un trajet plus court, bah, elles vont déposer davantage de phéromones sur le terrain, et du coup, les autres seront susceptibles, vraisemblablement, seront peut-être plus susceptibles, en tout cas, de l'utiliser. Il va falloir un petit peu de temps, le temps que ça diffuse, forcément. Et puis, il y avait quelqu'un, oui, qui avait proposé également d'avoir un paramètre qui permette d'accélérer la vitesse. Ça, c'est vrai que ce serait pas mal, parce que pour le moment, on est sur une vitesse de 2 actions par seconde. Ça pourrait être bien d'essayer de monter jusqu'à 10 actions par seconde. Dans la vie réelle, chemin plus long, c'est pas forcément plus mal si c'est plus safe. Ah oui, tout à fait, ça on est d'accord. Ça on est d'accord. Là, bon, on n'a pas intégré la notion de danger dans ce truc-là. On voit que le chemin du dessus, vous avez vu, de par sa longueur, et comme on a augmenté la vitesse d'évaporation, il n'y a quasiment plus de phéromones dessus. C'est-à-dire que la phéromone ne subsiste pas. Alors, ça ne veut pas dire du coup que les fourmis vont plus prendre le chemin. Par contre, clairement, on voit que s'il y a un impact qui est non négligeable. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire. J'ai quoi? J'ai juste doublé le. Alors, je peux peut-être augmenter un petit peu le dépôt de phéromones. J'ai augmenté peut-être beaucoup le dépôt de phéromones. En fait, je suis en train de m'apercevoir le truc de dingue. Ah ouais, non, putain, j'ai l'impression que les paramètres, il va falloir qu'on rajoute un chiffre après la virgule. C'est extrêmement violent quand même. C'est additif les phéromones où il y a une limite. Normalement, il y a une limite supérieure que tu ne peux pas dépasser. Hello, j'arrive. Tu peux redonner les contraintes. Salut tout gras! Alors, les contraintes, pour le moment, bah, les contraintes, on n'a pas beaucoup. On a, suivant en termes de paramètres aujourd'hui, on a chaque fourmi, quand elle arrive sur une case, elle dépose 0,13 phéromones. Salut, Forever Cutie, bonsoir à toi. Salut, salut. Et salut, Cold Freeze, bonsoir à toi également. Donc. Là, voilà, on a un truc qui nous permet de dire voilà, combien de phéromones une fourmi dépose quand elle arrive sur une case. Ensuite, on peut indiquer la vitesse d'évaporation, c'est-à-dire qu'à chaque top d'horloge, les phéromones, c'est la quantité de phéromones s'évapore de 0,02. Voilà. Et puis, ici, on a le poids de la phéromone, c'est-à-dire qu'une case qui a de la phéromone, c'est pas qu'elle va être 5 fois plus attrayante qu'une case qui n'en a pas, c'est en fait. Une case vide, elle a un attrait de 1, et une case avec phéromone, elle a un attrait de 1 plus 5 fois la quantité de phéromone qu'il y a dessus. Donc ça, c'est un petit peu le mécanisme qui est en place. Et puis, voilà, on pourrait aussi rajouter quelques fourmis pour voir un petit peu ça. D'ailleurs, on pourrait augmenter un petit peu le poids. Tout à l'heure, j'avais mis 100, c'était peut-être beaucoup. Peut-être qu'en le mettant à 10, déjà, ça va peut-être influencer un petit peu. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas s'étonner si elles vont vers un chemin plus long. Tant qu'il y a du monde dessus, on est bon. Ah bah oui, bah ça c'est clair. C'est clair. Et c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, la longueur et la quantité d'individus, c'est vachement important, parce que c'est ça qui va faire que la phéromone va se dissiper ou pas avec le temps. Si le chemin est très long, alors c'est sûr que si tous les individus sont dessus, le chemin il s'estompera jamais.
Et du coup, bon, bah là, c'est râpé. Mais sauf si effectivement, il y a quelques fourmis, comme c'est le cas ici, qui vont se. Comment dire? Voilà, qui à force vont peut-être recréer un chemin beaucoup plus pertinent ici, et que celui-ci risque donc de s'effacer définitivement après. Alors on voit que malgré tout, hein, celle-là, elle est quand même partie vers le haut, ce qui est assez surprenant. Et celle-là, elle est partie vers le bas, ce qui est assez surprenant aussi, parce qu'il n'y avait pourtant pas forcément des masses de phéromones dessus. Mais on voit quand même que ce chemin-là, il aurait tendance à s'assombrir un peu. Bref. Donc voilà, donc on a deux, trois petites choses à faire. Tu ne veux pas tout mettre en vide. Qu'est-ce que tu entends par tout mettre en vide, Wanarok? Ah oui, parce que tu veux dire que là, on est sur du chemin, oui, du chemin qui est quand même très contraint. Alors, si on met du tout vide, alors pour mettre du tout vide, on va faire un autre truc. Donc, on va faire aussi une méthode, modifier la création des chemins. Voilà. Ah tiens, on va peut-être commencer par ça. Donc, on a plusieurs trucs à faire. Modifier la création des chemins, parce qu'en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que quand je clique, je tire un trait, bah, ça me fait directement une ligne de case vide. Ça ira, permettra d'aller un petit peu plus vite que de cliquer sur chacune. Ensuite, avoir un paramètre qui nous permet de gérer la vitesse de rafraîchissement, de simulation. Et puis, pouvoir voir si au retour, finalement, activer un truc qui modifie vraiment l'algo, là, cette fois-ci, qui permettrait de dire, bon, bah, on voit si oui ou non je prends. La phéromone la plus forte qui est autour de moi pour rentrer, ou si je choisis plutôt mon chemin à moi. Allez, on est parti. Donc déjà, cette histoire de modifier les chemins, ça va être, ce sera plus rapide du coup après. On va aller dans le Viewland. Et en fait, dans le Viewland, on a un événement qui est ajouté sur les cellules et qui est donc Add Event Listener Click. Donc le clic, c'est cool. On va en ajouter un deuxième. Avec un mouth move, voilà. Et ici, alors je sais plus s'il y a une majuscule à move. Merde, ah, sûrement. JS event mouth move. C'est tout en minuscule. Ok, ça marche. Donc tout minuscule, mouth move, et puis tant qu'à faire, pas de U à move, hein, ce serait pas mal. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est if. Il me faut le event qui sera un mouse event. Voilà. Et donc if event point. Normalement, il y a un truc qui nous dit si le bouton est cliqué. Button. Je vais mettre égal 1. Alors on fait ça. On va déjà checker si ça marche. Est-ce que j'aurais eu. Non, j'ai pas eu d'erreur. C'est bon. Hop, je reviens ici. Je fais un petit save quand même pour conserver mes paramètres. Hop, on actualise. On n'a pas les paramètres qui ont été enregistrés. Comment. Load? Ah non, ils n'ont pas été enregistrés. Parfois, je vois. Et donc là, par exemple, bah tiens, je veux faire du vide. Clairement, ça ne marche pas. D'accord. Donc ça ne va pas être ça. Donc là, on va faire un petit console.log de event. Voilà. Hop, j'actualise. Alors, si je prends ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai button 0, 0. Salut, Cool Wizard, bienvenue à toi. Ok, tu gères tout, je croyais que tu étais sur un jeu en ligne. Tout gras. Bah bien sûr, allons. Ah, après, il y avait un doctorant qui disait qu'on ne pourrait pas arriver vers une solution optimale. Ah, ça, c'est bien possible. L'optimal est le contraire du naturel. Oui, clairement, quand je regarde les fourmis dans mon jardin, elles ne prennent pas le chemin le plus court. Ah, ben non, c'est clair. Après, voilà, c'est juste pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un subtil mélange qui soit intéressant? Et puis voilà. Alors, attendez, je vais faire un autre truc. Je vais hop, m'en recréer quelques-unes comme ça en étant cliqué. Voilà, donc buttons, j'ai 1. Buttons, j'ai 0. Bon, on va faire ça. Hein, buttons égale 1. Donc, c'est juste un S à rajouter ici.
Up buttons, et puis ça, je vire. Et donc là, normalement, sous nos yeux, this Bobby. Voilà, on va pouvoir faire du dessin. Donc ça, ça va être un petit peu plus sympa pour justement nettoyer un petit peu, faire des trucs un petit peu plus classe, un petit peu plus large. Tu ne te souviens pas du doctorant qui te parlait de multi-agent? Oui, exact. C'est vrai, c'est vrai. Donc malheureusement, je ne me souviens pas du nom. C'est con, hein. Bah, peut-être qu'il repassera ce soir. Est-ce que tu as quand même laissé l'aléatoire, me demande Pastèque. Ah oui, oui, bien sûr. Et salut Onyxid 1, bienvenue à toi. Tu peux trouver une solution optimale locale et peut-être globale, mais cette heuristique ne permet pas de savoir si c'est l'optimal global. D'accord. D'accord. Alors là, c'est là où moi, je ne suis plus du tout, malheureusement. Là, ça me dépasse au niveau des compétences. Là, je tente des choses, mais voilà, c'est tout. Hein. J'ai vraiment aucune connaissance là-dedans. Et donc, mais oui, sinon, Pastèque, tu vas voir, il y a effectivement de l'aléatoire, il y a du random. Donc, ouais, pas de souci par rapport à ça. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais laisser toute la partie du bas là en. Comment? En blanc. On va laisser quand même un petit couloir standard en bas là, et puis ce truc là pareil, hop, comme ça on va avoir une zone un petit peu de circulation plus badass. On va donc lancer la simulation par exemple, on va se rajouter quelques fourmis, puis on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors c'est sûr que là, le fait de se sou... alors il y avait ça aussi, donc modifier la création des chemins, c'est fait. Il y avait un truc que je m'étais dit, ce serait pas mal, puisque la fourmi, elle sait, elle connaît la liste des cases sur laquelle, par laquelle elle est passée. Ça pourrait être pas mal quand même, quand elle va sur une case, de se dire, celle-là, j'y suis déjà allé, je n'y vais que si vraiment j'ai pas le choix. Parce que, par exemple, bon, si elle est dans une, on a dit, hein, des fois, si elle prend une impasse, il faut qu'elle soit capable de revenir en arrière. Or, si elle refuse de prendre une case sur laquelle elle est déjà passée, bah, elle va être coincée. Donc, en fait, si elle n'a pas le choix, je pense que ça pourrait être intéressant de mettre ça en place. Alors, du coup, le deuxième truc, c'était de pouvoir avoir un petit paramètre ici qui nous permet de gérer la vitesse donc de la simulation. Ah, trouver à manger! Alors là, par contre, voilà, parce que là, du coup, elle va repartir comme une con dans tous les sens et elle va nous faire un trajet de merde. Bon. Je disais donc... l'accélération, enfin, la vitesse de la simulation. Hop, on se rajoute un petit paramètre, donc la quantité de fourmis, et donc là, hop, vitesse de simulation. Simulation, coin, coin, voilà, hop, speed, non, vitesse. Voilà. Est-ce qu'il y a des règles de fonctionnement quelque part? Qu'est-ce que tu entends par des règles de fonctionnement, Cool Wizard? En fait, les règles qu'on a, elles sont ici sur la droite. On a la quantité de phéromones déposées par une fourmi quand elle arrive sur une case. On a la vitesse d'évaporation des phéromones, c'est-à-dire qu'à chaque top de simulation, la case qui possède des phéromones va perdre cette quantité-là de phéromones. On a le poids de la phéromone dans la décision de la fourmi, c'est-à-dire qu'il y a un côté random. Elle a plusieurs directions qui lui sont proposées quand elle est sur une case. Simplement, l'idée, c'est de dire voilà, quel est le poids d'une case qui possède de la phéromone par rapport à une case qui n'en possède pas. Sachant que ce n'est pas un coef 5, mais c'est en fait 1 plus 5 fois la quantité de phéromone présente sur la case qui du coup définit l'importance de la case par rapport à une autre. Voilà un petit peu les règles de fonctionnement qu'on a actuellement, mais on peut après en rajouter si vous avez des idées. Là, ce soir, c'est un petit peu open bar. Hein. Maintenant, on a un environnement qui est quasi complet sur la simule. Donc maintenant, à voir bah, justement les paramètres qu'on veut ajouter. Pour la vitesse, on ne va peut-être pas se faire chier. On va dire que c'est en millisecondes. Alors, par défaut, c'est... Ah non, le step, ça va peut-être beaucoup. On va mettre de 50 en 50. Voilà. Minimum 0. Non. Non, il y a un live qui tourne en même temps. Et donc, TXT speed. Voilà. Donc, une fourmi sur une case connaît le nombre de phéromones sur chaque case autour plus 1. Alors, ouais, quand elle est sur sa case, elle a la case de devant, de droite et de gauche et du bas où, pour lesquelles elle va connaître la quantité de phéromones présente. Elle sait également quelle est la dernière, de quelle case elle vient.
Et elle connaît également la liste, l'ensemble des cases sur laquelle elle a marché depuis la fourmilière, de manière à pouvoir rentrer chez elle. Ça commençait à devenir intéressant là, mais il faut laisser tourner, augmenter la vitesse. Ben justement, on va faire tourner, mon cher Wanarock. On va faire tourner, on va augmenter la vitesse. Alors le problème, pareil, la vitesse, il faudra peut-être qu'on voit une optimisation pour rafraîchir les cellules également. Ça pourrait être intéressant de réfléchir à ça. Donc sur le design, on va dire. Donc TXT Speed, je vais dans mes settings dans mon modèle. Hop, ici, on rajoute le simulation speed, qui sera donc un nombre. On a ici un member simulation speed, donc toujours un member, voilà. Ici, this.simulation speed est égal à 500. Vraiment le speed, mais bon, pas grave. Simulation speed de point this.simulation speed. Aussi qu'on voit pourquoi ça enregistre pas l'autre connerie là. Et donc this.simulation speed est égal à data poète poète simulation. Ah, c'est le premier poète poète de la soirée. simulation speed. Ok, donc là, ça c'est géré. Maintenant, je vais dans mon view settings. J'y connais rien en code, mais ça a l'air hyper intéressant. Merci Forever Cutie. Bah, écoute, ouais, c'était la petite question que je m'étais posée la semaine dernière. Je me suis dit, tiens, j'avais vu une vidéo qui avait été proposée par, je vais retrouver son nom, sans que vous m'aidiez. Je ne regarde plus le chat jusqu'à ce que je retrouve le nom. Je ne regarde pas sur YouTube. C'est un truc oscopie. Bordel, à chaque fois j'arrive pas. Bon, déjà, je me souviens de la fin du nom. C'est pas futuroscopie. Ça commence par un F aussi. Je suis quasiment sûr qu'il y a un F dedans. Fulloscopie? Fulloscopie. Fulloscopie! Yeah! Super Danou! Bonsoir à toi, Danou! Ok, c'est bon. C'est chez moi les frises. Zizou, alors j'espère que. Alors, s'il y a d'autres personnes qui ont des frises, dites-moi, parce qu'on a eu des soucis tout à l'heure avec Twitch, qui avait des gros problèmes. Beaucoup de personnes étaient déconnectées régulièrement, etc. Je croyais que tu cherchais qui avait posté la vidéo. Alors, c'est Dadou, effectivement, qui a posté la vidéo, mais c'était. Je ne saurais jamais à me souvenir du nom de cette chaîne. C'est Pouloscopie. Quand j'avais vu donc sa petite vidéo, j'avais eu envie d'essayer de faire un truc et puis voilà, de toucher. Mais sachant que voilà, je ne connais rien à ces algorithmes, vraiment rien du tout. J'ai aucune idée de ce que c'est qu'un multi-agent, j'ai aucune idée même de ce que c'est qu'un optimal local par rapport à un optimal global. Alors, optimal local, et j'aurais tendance à dire que ouais, tiens, ça marche dans telle configuration, mais ça ne veut pas dire que ça marche de manière globale dans toutes les configurations possibles et imaginables. J'aurais tendance à dire qu'on est peut-être sur quelque chose comme ça, mais je me trompe peut-être. D'ailleurs, tiens, ouais, si vous pouvez définir ceux qui savent quelle est la différence entre un optimum global et un optimum local, ça pourrait être très intéressant. Je croyais que tu cherchais un. Pas de souci de mon côté. Ok, il n'y a que moi. Ça relance Twitch. Aucun souci ici non plus. Ouf, donc ça c'est bon. Quelques frises. Pouet, pouet. Optimal local, donc c'est quand la fonction n'est pas convexe. Je te déteste, Dadou. bon, alors, j'en étais où moi? J'en étais à mes view settings, là, fallait que j'initialise ces settings. Là, ça pourrait être pas mal de faire aussi une méthode pour ça, mais bon. Donc, ici, on est sur du speed. Et donc, settings, simulation speed, qui prend la valeur, voilà. Et puis là, normalement, je récupère le simulation speed. Lucato, tu noteras quand même cette déstructuration absolument folle, hein, qui a été réalisée ici, TXT Speed, Simulation Speed, et donc là, je ne mets pas de paramètres parce que c'est un entier, que je ne veux pas chiller à la virgule. C'est tellement bien fait cette fonction, c'est incroyable. Ok, so, alors maintenant, ah oui, mais il faut quand même le mettre en place, donc ça va être dans le contrôleur simulation. Contrôleur simulation qui donc actuellement fait un intervalle. Donc nous, ça ne nous intéresse pas, on va changer. Au lieu de faire un intervalle, on va faire un set timeout.
Qui va faire quoi le timeout? Non, on va le changer un petit peu. Et donc là, on va faire un this.next step. Et en fait, le next step. Il fait un this.simulatortimer.setTimeout. De ça, et ensuite, non, c'est justement là où c'est pas ça. C'est déjà qu'on fait ça. This.simulation.nextstep, on notifie, et ensuite on déclenche notre timer qui va appeler this.nextstep. Ouais, ça c'est better. C'est très très better. Alors, le seul truc, c'est que, ouais, faut pas qu'on clique sur stop pile. Ici, sinon ça marchera pas. Ça, j'ai envie de dire, voilà, on s'en fout un petit peu. Donc this.simulation.settings.simulationSpeed, boum. Et là, comme ça, on est tout bon. Ok, et ben on va voir si ça marche. On actualise, on démarre la simulation, on ajoute une fourmi, deux fourmis, trois fourmis, quatre fourmis. Je n'ai pas de champ texte ici. J'en suis dit que j'ai oublié d'enregistrer un truc. Voilà, on recommence. Bloop, voilà, là j'ai ma vitesse. On démarre la simulation. Une fourmi, deux fourmis, trois fourmis, quatre fourmis, cinq fourmis. Et là, on descend la vitesse de simulation. Et là, on voit qu'effectivement, ah bah là, ça speed un petit peu plus, hein. Effectivement, elles ont pris du speed, les grosses. Alors, par exemple, connaître. Ah, attends, cette pop. Me dit-on, ben c'est ça, c'est peu marché à petite échelle, mais pas grande échelle. Tout à fait. Par exemple, connaître tes voisins, ça peut marcher dans ton quartier, mais pas dans ta ville ou dans le monde. Il faudrait que seules les cases que les fourmis visitent ou ont visitées soient mises à jour dans le DOM. Et effectivement, voilà, ça on est bien d'accord. Donc là, il y a clairement une optimisation à faire au niveau de la mise à jour. Si, Wenrock physique, ça a tout à fait raison. Enfin, en tout cas, si on parle bien de la mise à jour des cellules, c'est tout à fait ça. ResearchNet minimum local and global. En plus, tu veux me donner. Ah, il y a une figure qui illustre bien, d'accord. Et sinon, Onidix qui nous dit optimal local, tu trouves un chemin qui est le meilleur de tous les chemins que tu as tenté, mais si ça se trouve, il y a encore d'autres chemins plus courts. Ok, donc là, on est vraiment dans l'expérimental, ok, et optimal global, tu as trouvé le plus court de tous les chemins possibles. Ok, ça marche. En gros, l'idée, c'est qu'un optimal correspond à un minimum d'une fonction de score. Si la fonction est convexe, il n'y a qu'un seul minimum, et elle est décroissante à gauche et croissante à droite. Ok, donc il suffit finalement de suivre la pente, comme tu dis. Mais si c'est pas convexe, eh ben là, t'es cuit parce qu'en fait, tu peux avoir plusieurs minimums. Mais quand on est dans un trou, ben on est coincé. D'accord. Ok, ça marche. Je comprends. Je comprends. Donc, effectivement, pour l'histoire de. Alors, l'accélération, c'est fait. Maintenant, on me dit, ce serait bien d'optimiser l'affichage. Alors, pour optimiser l'affichage, là, c'est un petit peu plus. Quoi qu'en fait. Il y a peut-être un moyen de résoudre ça. C'est-à-dire que, à part finalement, quand on modifie vraiment. Je ne m'y attendais pas à celui-là. Voilà. Ah oui, quand je load, je ne remets pas à jour la taille ici. 2, 4, 6. Normalement, je crois qu'il y en a 30. Il y en a 30 ou il y en a 20? Non, il y en a bien 30. C'est bien ça. Il y a un petit save là? Ah non, il y a vraiment un truc, ça, l'enregistrement des settings ne se fait pas. Voilà. Alors, quand on est sur le view, le save. Ah, je crois que c'est Land. C'est Land qui a encore le save. Bah oui, mais en même temps, je vois pas où est le problème. Alors. Oui, non, en fait, il n'y a pas de problème. View Land. Elle a un bouton normalement, le btn save et le btn load qui s'occupe de faire un contrôle land.save et un contrôle land.load. Ok, jusque là c'est bon. Et en fait, ce que j'ai pas fait, m'ennuie lui terriblement. Ah mais non,
Voilà, c'est que je n'ai pas dû mettre ça dans le view settings. Voilà, parce que le view settings, il pourrait aussi faire ce genre de choses, dire qu'il rajoute un événement save sur le bouton. Voilà, et sauf que lui, c'est pas sur contrôleur land qui va, c'est sur contrôleur settings. Voilà. Et là, du coup, normalement, sous nos yeux ébahis, si j'actualise par ici et que là, je dis que j'ai une largeur de 30 et une hauteur de 30 et que je fais un save et que j'actualise, maintenant j'ai bien mes 30. Non, mais dites donc, alors, un petit peu. P égale NP. Ouais, alors là, non, non, ça, non, ça, je refuse. Ça, le P égale. Non, 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 ça, non, ça, je veux pas. Ça, je veux pas. Alors, je suis désolé, là, les formules mathématiques, je ne sais pas. Et que j'apprenne, ça fait trop longtemps, ça, et que j'ai pas mis les nez dedans, et je me souviens vraiment plus ce que ça veut dire. Bon, optimiser l'affichage. Alors, finalement, quand on est sur une carte de taille fixe, la question, elle se pose pas. On pourrait s'amuser à parcourir toutes les cellules et finalement modifier que celles dont les caractéristiques ne correspondent pas. Ça, c'est une solution. Il y a une autre solution hein, qui consisterait à dire bah, finalement, là, on travaille avec des vrais divs. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des éléments. Comment? Des éléments du canevas. Pas du canevas, pardon, des éléments du DOM hein, qui sont actualisés. Alors que finalement, on pourrait aussi représenter ça sous la forme d'un canevas et puis dessiner les cellules à l'intérieur du canevas. Ça pourrait être aussi une méthode. Par contre, ça veut dire que sur tous les événements clics, etc., il va falloir se faire chier à faire des calculs de coordonnées pour savoir dans quelle case je suis, etc. Donc, il y a une partie quand même à redévelopper à ce niveau-là qui peut être un peu plus lourde. Donc, on a ces deux options-là. Après, à vous de me dire qu'est-ce que vous préférez, sachant que voilà, je t'ai mis un lien YouTube sur Discord à l'occasion, tu peux regarder. Merci Zizou, super sympa pour le partage. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je fais un petit rappel par rapport à ce que je disais hier, et je pense que c'est pas idiot d'en reparler ce soir. Sur le Discord des Moulins, il y a l'équipe des modos, les conducteurs de minoterie qui ont fait un taf énorme sur la réorganisation des salons, etc. Ils ont également créé des rôles. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé deux rôles actuellement. Ils vont en créer d'autres par la suite, mais ils en ont déjà créé deux. Il y en a un, c'est Notif Live, et il y en a un, c'est Notif Rediff ou Notif YouTube, un truc comme ça. Et en fait, l'idée, bah, c'est que quand on annonce un live, plutôt que de taper sur du everyone, comme je le faisais avant, ce qui fait que du coup, bah, peut-être que je vous embêtais avec ces notifications de début de live, etc., que j'envoyais à la terre entière du serveur, et bien là, finalement, il n'y a que les personnes qui auront activé cette notification, qui auront ce rôle de notification de live, qui recevront l'info. Donc, comme ça, j'ai dû l'avoir 5 fois. Donc comme ça, bah, ça vous permettra. Attends, Wanarok, tu as eu la notification de ce soir 5 fois avec le bot. Bon, il y aura peut-être des petits réglages à faire. On va en parler avec Zen. C'est Zen qui est sur ce sujet-là, normalement. Donc, on lui transmettra l'info. Et puis, ah, non, la vidéo de. Ah, la vidéo dit. Ok, ça marche. Je croyais que c'était pour la notif. Donc, ouf, c'était bon. Donc, là, ça, à ce niveau-là, ça marche bien. Et donc, voilà. Donc, comme ça, pensez bien si vous avez envie d'être notifié des débuts de live. Depuis Discord, eh bien, vous avez normalement une section rôle qui est dans les moulins. Bon, je peux vous le montrer quickly. Et pensez bien, je dirais, à activer la cloche. Hein, on va faire comme sous YouTube. Donc voilà, donc les rôles ici, vous avez notification live, notification rediffusion. Et il vous suffit de venir ici pour cliquer sur une réaction ou l'autre. Et ça va vous affecter automatiquement le rôle. Et du coup, derrière, bah, ça vous permettra d'être notifié quand il y a un début de live et quand il y a, ou en fonction de ce que vous cochez, quand il y a une rediffusion qui est postée sur YouTube. Voilà. Justement, les notifs, ça n'a pas super marché pour moi. Ah, d'accord, je l'ai eu 30 minutes après. Ok, ça marche. Bon, bah là, tu vois, c'est des trucs, il faudra qu'on. J'en parlerai à Xen, je lui remonterai l'info. Mais voilà, c'est bien, on va débugger un petit peu cette partie-là. Et puis, comme ça, on va pouvoir. Alors, tu peux rajouter des éléments, des attributs sur tes éléments, par exemple row, colonne, et récupérer seulement les éléments en fonction des row, colonnes visitées. Oui. C'est super comme idée, mine de rien, quand ça marche chez moi, ça fonctionne. Ah, bon, bah ça, c'est top.
Ça s'éteint. Mais je vous dis, il y a peut-être des petits réglages à faire au niveau du bot pour qu'il actualise ça, il check ça plus régulièrement. Voilà, il y a peut-être deux, trois trucs à faire. Donc c'est bien d'avoir vos retours aussi là-dessus. Donc n'hésitez pas à nous en parler et puis à en parler directement à la team conducteur de minoterie, hein, que ce soit Xen, Sukato, enfin bref, celui qui vous tombe sous la main à ce moment-là, et bien sûr moi, et comme ça, bah, ça permettra de faire avancer les choses. Et ouais, c'était une super idée, c'est Xen, hein, je crois, qui a eu cette idée-là et qui l'a mise en place, et c'est vraiment top. Ils font du super boulot. Donc, tu disais, physique, tu peux rajouter des attributs. Alors, effectivement, j'ai déjà normalement des attributs qui... Coucou, c'est moi. Alors, tiens, Maxen, pendant que tu es là, est-ce qu'il y a moyen, effectivement, de... Parce qu'apparemment, c'est Wanarok qui a eu la notification avec un gros, gros décalage. C'est possible d'avoir les notifs que quand le live ne contient pas de Java. Bah écoute, ça tombe bien, il n'y en a pas ce soir. Jean Edmond, c'est quand même assez rare, hein, qu'il y ait du Java. Et du Java dans les lives du moulin. Hein, je pense quand même, hein, tu chipotes, hein, petit coquinou. Donc, ouais, Xen, tu penses qu'il y a moyen peut-être de, je sais pas s'il y a un contrôle là-dessus, sur la fréquence de vérification pour l'envoi de la notif et tout. C'est vrai qu'une demi-heure, ça fait beaucoup. Alors après, je sais pas, est-ce que je vois pas trop ce qu'il y a plus. Alors après, peut-être aussi que ça vient de Twitch qui avait des soucis, hein, et peut-être que le bot, du coup, il n'a pas pu avoir les infos comme il le voulait. C'est peut-être ça aussi, donc à checker. Parce que je crois que c'est le premier live, en fait, ce soir, qui est annoncé par le bot, hein, si je dis pas de bêtises. Après, j'étais en déplacement avec ma musique, donc 4G. Ah voilà, bon, on verra, on va refaire des tests. Si jamais vous constatez des soucis comme ça, je vous dis, n'hésitez pas à nous le remonter, et puis comme ça, on finira le tir. Alors, par rapport à ça, effectivement, de toute façon, les cellules. Alors, si je reprends un petit peu le View Land, voilà, qui s'occupe de créer les cellules de la map, et donc forcément de les actualiser, ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire un truc, un check, c'est-à-dire. Si on s'aperçoit que le nombre de cellules, finalement, est le même en largeur et en hauteur sur la map que ce qu'il est sur la grille, bon, bah, c'est que vraisemblablement, il n'y a que des cellules à l'intérieur qui ont changé. Donc, on va scanner les cellules et on va regarder celles qui ont changé d'état et on va actualiser uniquement celles-là. Déjà, ça permettra d'avoir un traitement plus léger. Deuxièmement, si jamais on s'aperçoit que la taille de la map est différente de ce qu'on connaissait, bon, ben là, dans ce cas-là, on ne se pose pas de questions, on régénère complètement la map, et puis comme ça, on est tranquille. Je pense que ça peut être pas mal, et on devrait, du coup, bah, forcément gagner un petit peu en termes de perf pour l'affichage. Donc, on part là-dessus, ou alors, sinon, après, c'est le canevas, hein, il faut que je m'achète des doigts ce soir. Mais non, mais attends, c'est là, on n'est pas une faute près, c'est pas grave. Après, peut-être qu'on va te bannir, définitivement, mais... Non, je plaisante. Alors, tiens, on fait un sondage. Le premier sondage de la soirée, optimisation. Voilà, donc, comment on optimise, point d'interrogation. Est-ce qu'on optimise optimisation du DOM, qui, je pense, ça peut se faire assez facilement, ou alors mise en place d'un canevas. Mais alors là, par contre, je vous préviens, on fait que ça ce soir. Hein. Voilà, hop, allez, c'est parti. Vous avez une minute pour faire ce petit vote. Je rappelle que les sondages, ça apparaît tout en haut du chat pour ceux qui les cherchent. Canevas, c'est tout rechanger, non? Ah bah, c'est rechanger une grosse partie, ouais. Il faut changer la manière de dessiner les choses. Il va falloir changer la manière de... Bah, pour gérer les événements souris, détecter les coordonnées de la souris pour trouver les cibles et tout. Ça se fait, hein, techniquement, hein, c'est pas mortel. Je pense que l'optimisation du DOM sera plus rapide, mais voilà, après, je ne veux pas vous influencer. Si vous voulez qu'on fasse ça, on fait ça. Sinon, on fait un autre truc. Hein. Moi, j'ai pas de souci. En script.js, peut-être pas. Hein, on fera juste du Canva tout bête. Ah, pas foutre un script.js pour ça. Ce serait peut-être un peu too much. J'ai pas envie de faire de modéliser une fourmi en 3D, faire des animations et tout. Non, 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 non. Pas de ça chez nous. Alors, venons sur le vote. Hein, vous n'êtes pas très, très impliqués, hein, dans le chat, là. Il y a quatre votants. Oh, quand même. Le choix était difficile d'y aller. Ah oui, non, mais voilà. Bon, du coup, voilà, bah, c'est fini. Ce sera optimisation du DOM. Et c'est parti.
Alors, là, actuellement, moi, je ne mets pas mes cellules dans mes éléments. Mais qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire? Ah tiens, je me pose la question d'ailleurs, quand j'utilise jQuery, on avait un truc, une méthode qui s'appelait data et qui nous permettait de matcher un élément du DOM, enfin d'intégrer la data directement dans un élément du DOM sans justement passer par des attributs. Ça, c'était plutôt cool. Ah bah ouais, il faut être plus rapide, Zizou, hein? Et là, je sais pas trop comment il faisait. Alors, est-ce qu'on a, j'ai pas cherché à le faire en vanilla. Si je mets insert, c'est bizarre, insert data in DOM element. Parce que forcément, ils vont me parler des attributs. Ouais, insert, c'était à mon avis pas le how to insert data in task DOM using JavaScript. Maybe. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? The easiest method is to map over the data and produce some HTML using a template literal. Alors, on a getHTML data. Donc, on a notre data qui nous est passée. Je vais faire rendData.map. Ouais, bon, bah, c'est d'accord. Oui, tu fais un map. Blablabla. Ah oui, non, c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Oui, donc là, il insère des data. Non, c'est pas ça. Alors, je crois que sous le bois, ça passe par des attributs ou du JS, je sais plus. Je crois que sous le bois, là je suis. Alors je vais mettre attach data to mieux DOM element. Dataset. Fournit un accès en mode lecture-écriture à tous les attributs de données sur mesure, data- définis sur l'élément. Ah oui, c'est vrai, mais du coup, il faut que ce soit du string. Tu peux pas là attacher un objet, tu peux pas y mettre ce que tu veux, je suppose. Dataset.nom. Ouais, c'est forcément une chaîne. C'est forcément une chaîne. Après, qu'est-ce que j'ai comme information à connaître? J'ai le. Ah, ça fait beaucoup d'infos quand même. J'avoue que j'aurais bien aimé avoir pouvoir stocker directement la cellule. Ça aurait été tellement plus simple parce qu'on aurait pu tout de suite checker si elle avait bougé ou pas. Alors, je vais essayer comme ça. jQuery data in vanilla.js. Parce que cette méthode, elle est quand même géniale, quoi, de jQuery. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Window.dataStorage. Qu'est-ce que c'est que ça? I've written a wrapper. D'accord. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'ils font. En fait, il n'y a rien qui existe dans le DOM qui permette de le faire, c'est ça? Tu es obligé. Ah, you could store anything on any DOM element. Oh! Ah bah voilà! Ah bah si on peut faire ça, bah c'est encore plus simple. Allez, banco, on tente. Reste un objet JS. Ouais. Non, mais je pensais que. En fait, si tu veux, moi je vote en retard pour un truc comme AirVis, comme ça on peut avoir une fourmilière en 3D. Vas-y, c'est quoi? Alors, je connais pas AirVis. AirVis, on a du Wiki, on a de l'Amazon, oh là là. Quoi, c'est un truc de DataVis. Je vois des titres, images. AirVis. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, ben non. Non, on va pas le faire. On va pas le faire comme ça. Pas ce soir, en tout cas, pas ce soir. Donc, bon, on va tenter. En fait, ce que je craignais, c'est que quand je récupère ensuite mon élément du DOM, je ne puisse pas forcément récupérer la data qui était associée. Ça, c'était la crainte que j'avais. Mais si à ma cell HTML, je peux directement associer un cell.data, on va voir. Alors, cell HTML. Est-ce qu'on a effectivement l'objet data? Ah, tu vois, data, ça n'existe pas. Ça ne va pas être un truc que JavaScript, que TypeScript va accepter.
Il va me dire, bah non, il n'y a pas de, moi je connais pas de truc data dans un HTML element. Donc va te faire foutre. En gros, c'est un peu l'idée, quoi. Et pourtant, j'aurais voulu. Par contre, attention au nom, jQuery fait un préfixe ou quelque chose, je crois. Ah oui, mais de toute façon, on ne va pas utiliser jQuery. Hein. Là, c'est clair que non. Mais alors, je vais faire un truc horrible juste pour tester. Test de point. Ma valeur de test. Voilà, je fais ça. Forcément, TypeScript hurle au scandale littéralement, mais comme moi, j'ai absolument peur de rien, eh bien, je vais lui faire un truc comme ça. Voilà, hop. Et là, bah, il hurle plus, hein, forcément. Du coup, c'est vous qui hurlez en général dans le chat. Attendez. Voilà. Voilà. Donc c'est pas grave, c'est un test. Quand on teste, on a le droit de faire des choses horribles. Non, on n'a pas le droit. Et donc là, je vais juste faire. Je vais faire un const cell est égal à document. Point. J'ai mon document. Non, il manque un truc. Voilà. Query selector. Donc, on va récupérer une cellule. Et donc, normalement, si je fais un cell.data, ah ouais, ça passe. Ça passe. Alors, petite question. Comment est-ce que je peux faire ça de manière propre? Est-ce qu'il y a une manière de faire ça de manière propre? Est-ce qu'il faut que je dise, je ne sais pas, moi, je crée une classe HTML élément data qui hérite de HTML élément et qui ajoute un attribut data. Comment vous le faites, ça, vous, techniquement? Vous me direz, vous ne le faites pas. Je sens qu'il y a des malins ce soir qui vont me dire, je ne le fais pas. Avec les custom elements. Alors, OK. Alors, custom elements. Utilisation d'éléments personnalisés, Web Components. Vas-y, comment sais-tu donc que c'est que ça fonctionne? Custom Element Registry. Define. Word Count. Word Count. Extends P. Ouais. Ah bah d'ailleurs, tiens, tu vois, ça revient à dire ce que j'avais fait là, j'ai l'impression. L'élément appelé Word Count, un objet de classe Word Count, il étant l'objet P. L'objet de classe d'un élément personnalisé est écrit en utilisant la syntaxe standard. Par exemple, Word Count est structuré comme suit. D'accord. Donc finalement, ce serait ça qu'il faut faire. Et donc dire que c'est un data. Alors, on se le tente. Ah, web HTML. Data. Ah non, mais data-étoile. Le problème de ça, Sukato, c'est qu'à ça, tu ne peux mettre que des chaînes de caractères. Ce qui, moi, ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est directement stocker ma cellule dans mon objet du DOM. Et pas des chaînes de caractères. Non, ça, je connaissais. Hein, c'est, y a pas de souci. Mais ça ne m'intéresse pas, ce morceau-là. OK. Alors, du coup, on va se le tenter. On va faire un truc. Par contre, ça, où est-ce que ça va? Oh, c'est dans les vues. Techniquement, c'est un élément qui est pour les vues. Oui, mais si tu le fais depuis le JS, tu peux faire ce que tu veux. Avec le dataset? Parce que là, de ce qu'ils avaient l'air de dire, c'est que si je prends un cell.dataset, je suppose que... Alors, attends, alors, cell.dataset, est-ce que... Comment il fonctionne déjà, le dataset? JS, dataset... Oui, à la limite, tu peux rendre un objet en string. Ah ouais, mais non. Non, non, on ne va pas rendre d'objet en string parce qu'on ne va pas du tout avoir les propriétés comme. Non, pas un objet en string. Nope. Tout pourri, ça, comme idée. Ça ne me plaît pas du tout. Dataset, point la propriété que tu veux. Donc, en fait, ici, je peux faire un point cell. Ah, mais même ça, tu vois, il ne veut pas parce qu'il va me dire quoi? Il va me dire que, voilà, c'est pas... c'est pas une string, donc clairement il veut pas. Non, mais c'est pas grave, on va faire un autre truc. On va faire donc un new file. On va dire que là, ici, on a un HTML data element. Voilà. On va faire une classe HTML data element qui extends de HTML element. Non, juste de HTML element.
J'aurais pas oublié de mettre l'extension, donc rename, tant qu'à faire html data element.ts. Voilà. Toc, on va avoir forcément un constructeur avec un petit super. Ici, il va me falloir un export. Et puis donc, on va lui mettre un member data qui va être de type, ah oui, merde. Bref, dans ce cas-là, on va même faire mieux que ça. On va faire un HTML cell element. Et puis, data, ce sera un objet de type cell. D'ailleurs, plutôt que l'appeler data, je devrais l'appeler cell, hein, en même temps. Donc à faire, appelons un chat. Et puis voilà. Et par défaut, hop, this.cell. Et la nulle. Pof. Ce qui fait que maintenant, dans mon petit ViewLand ici, je transforme ma cellule ici. Allez, on va le faire bien. As. HTML cell element, ce qui fait qu'ici j'ai mon const blabla, et là je peux lui faire un cell machin point cell est égal à cell. Alors est-ce que ça marche vraiment? Ça c'est la question à $1 million, c'est-à-dire que si maintenant je viens ici, j'actualise, je récupère une cellule et que je fais un cell.cell, ok, parfait, ça marche, c'est cool. Tu peux rendre un objet en string, franchement, je pense que ça va être la merde, c'est beau le TypeScript. Non, tu vois, regarde, c'est plutôt pas mal, je trouve, c'est plutôt propre, enfin, c'est loin d'être dégueu, et ça passe très bien. Tu as reconnu Stencil. Tu vois, finalement, hein, ça... On leur fait tout un plat de stencil, hein, facile, ouais. Bon, voilà, donc ça déjà, c'est fait. Alors maintenant qu'on peut stocker la cellule dans le document, on est capable du coup de faire cette fameuse optimisation. Donc, il y avait deux choses à faire, on avait dit. La première, c'est on verra, dit Wanarock. La première, donc, c'est de regarder si la map physique dans le HTML fait la même taille que la map qu'on a dans notre terrain. Si c'est le cas, on a juste à actualiser les cellules. Sinon, on régénère toutes les cellules. On régénère. Donc, ici, on va faire un test if. On va dire, je peux pas. If this.grid has same size, là, on va faire une petite méthode. Alors là, on appellera this.update cells, else this.generate cells. Pas mal ça, moi j'aime bien. Hop, voilà. Méthode simple, concise, avec des noms clairs. Maintenant, j'ai ici un private generate cells. D'ailleurs, je m'aperçois au passage que la méthode du dessus, là, elle pourrait être private également. Pas de raison d'être... Voilà. Donc, là, generate cells, finalement, il n'y a rien qui change. On prend la liste des cellules et puis on les supprime. Et puis, du coup, il nous faut faire maintenant un private... grid has same size qui retourne un boolean et puis un private update cells il ne retourne rien. Voilà. À l'époque de Vue 2 aussi, il stockait un vue dans les éléments DOM, une propriété de ce style qui contenait le contexte, VNode, etc. Je sais plus pourquoi, mais à un moment ça va chier. C'est Wanarock, c'est pareil, il est comme moi. Je tease, mais je ne spoil pas. Il va t'arriver une merde. À un moment ou à un autre, ça va te péter à la gueule. Ben, ce sera bien fait pour toi parce que tu nous as pas écoutés.
Ah, ça va bien se passer, ça va bien se passer. J'ai confiance. Donc, let same size est égal à false. Return same size. Alors, hop, c'est juste pour avoir un truc à retourner. Et pourquoi je mets une méthode? Con, hein. Voilà. Et puis update sales, on verra après. Donc, le same size, on a dit, il faut qu'on récupère le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Alors, le nombre de lignes, c'est assez facile normalement. Donc, on va déjà faire un const cells est égal à document.query selector de cells. Donc, ça me donne ma grille globale. Ensuite, comme toujours, pour les PB en info, la question c'est pas si, c'est quand. Salut Christophe, bonsoir à toi. Eh, la vedette Christophe est parmi nous. Mais oui, qui a fait un super live, qui a fait un super live. Et en plus de ça, tiens, allez, on va aller checker un petit peu comment ça se passe sur YouTube. Non, parce que bon, la vidéo maintenant, elle est publiée. Hein, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le YouTube Studio. Tu vois, et YouTube Studio, qu'est-ce qu'on voit? On a des feux d'artifice littéralement sur WinDev, parce que c'est la vidéo la plus vue de la chaîne en 13h35 minutes. Voilà, ça c'est dit, monsieur Christophe. Félicitations. Déjà 26 vues en 13 heures. Alors oui, c'est sûr que c'est pas. On n'est pas chez Cyprien ni chez Squeezie ici. Hein. On est déjà content d'avoir 26 vues. Par contre, le thème blanc te crame la rétine, les moulins. Alors oui, je suis désolé, j'ai un thème blanc, mais je ne sais même pas, on peut changer le thème de visu. Ouais, on s'en fout. Pas la question. Bref, voilà, c'était juste pour faire un petit clin d'œil à Christophe. Et d'ailleurs, Christophe, du coup, comme je me doutais que tu allais arriver un peu plus tard. Alors, Christophe, j'ai juste un teasing à faire pour demain, mais je ne spoilerai rien du tout. Je fais juste un teasing. C'est le teasing du teasing qui dit que PC Soft m'a appelé aujourd'hui. Voilà. Je dirais que ça. Et on en reparle demain. Maintenant, dors bien, bonne nuit, fin du live. Là, après, ça va cheminer. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Pourquoi? Comment? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, vous emballez pas trop quand même. Hein. On va se détendre. Donc, Arc. Alors, en fait, il y en a qui se disent waouh, sponsor, waouh, licence gratuite, et il y a Christophe qui se dit oh, les coups de fouet, oh, ils vont me massacrer. Je n'en dirai pas plus. Je vous ai dit, c'est vraiment juste du teasing, il n'y aura pas de spoil ce soir. Bon, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai mon query selector de sales, je vous ai loupé. Query selector, et oui, donc voilà. Donc maintenant, il faut que je sache combien il y a d'éléments dans ma cellule, enfin, dans mes lignes. Donc, en fait, là pour ça, j'ai un truc tout bête à faire. Je peux faire un cells, point find. Non, je suis con. Point query selector, ça c'est les habitudes de jQuery. Donc row. Donc ça, normalement, ça me donne mon row count. Alors, hop, took 0. Et donc là, ça va nous faire un const rowCount égal à ça. Et puis, si justement on a un nombre de lignes, if rowCount, quoi quand même. Ouais. Non, je suis con, c'est pas rowCount comme ça, c'est tac tac length. Voilà, ça ce sera déjà un peu plus. Ah, ça me retourne quoi? Ah oui! Selector all, voilà, ce sera mieux. Donc là, effectivement, ça me donne bien mon row count. Et puis ensuite, je peux faire un const call count égal à cells.query selector cette fois-ci de row. Ok, donc ça me donne la première ligne. Point query selector de cell. Et ça, c'est possible, c'est selector all, pardon, de cell. Et ça donne le nombre de cellules que j'ai en largeur, le nombre de colonnes. Et du coup, ben, en fait, j'ai plus besoin de mon booléen ici, parce qu'il me suffit juste de retourner row count égal égal
this.controllerland.land.. Ah, j'ai pas la méthode par contre. Bah, point getWith. Du coup, je vais mettre une méthode là et puis on va la coder. Et call count égal à this.controllerland.land.getAlphabet. Voilà. Donc là, il me manque juste cette méthode-là. Le row count, ce sera mieux. Et puis, row count et non row count. Oui, merci, Coldfreeze. Ah, voilà, il y a des gens qui suivent, c'est bien. Alors, ce petit land ici, eh ben, hop, on est parti. Donc, on a notre get with qui nous retourne un number. Et donc, bah, ça va être un petit peu la même chose. Hein. Return this.cells.length. Donc ça, c'est... non, ça, c'était get height. Get height, c'est la plus facile. Voilà. Et puis, ensuite, on a le get width qui est un peu plus chiant. Qui nous dit donc que if this.cells.length return this.cells crochet 0.length et là return 0. Ok, et comme ça on a le width, on a le height et puis c'est tout bon. En fait, l'avantage que tu aurais eu de stocker les positions des cases dans le dataset, c'est que tu aurais pu les récupérer via un query selector. Les positions des cases. Bah, en fait, techniquement, j'aurais pas besoin de les, si tu veux, de les récupérer la position des cases, puisque de toute façon, je vais toutes les parcourir et je suis obligé de les parcourir et de regarder si la cellule associée a changé ou pas. Donc, techniquement, ça devrait pas le fait de stocker les coordonnées des cases ou la position des cases. Je suis pas sûr que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Genre comme ça, sur les correcteurs, celle. Ouais, mais en fait, ça va pas forcément nous être utile, là, tu vas voir. Enfin, a priori, je pense que ça ne va pas forcément nous être utile. Peut-être que je me trompe, hein. Parce que là, en fait, on aurait fait plein de sélecteurs. C'est-à-dire que pour chaque cellule, on aurait fait un sélecteur pour le récupérer. Là, on ne devrait pas avoir besoin d'en faire autant. On va faire un sélecteur par ligne. Et du coup, je pense qu'en termes de traitement, c'est sûrement plus intéressant que de faire plein de sélecteurs les uns à la suite des autres. A priori, c'est ce que j'aurais tendance à dire. À mon avis, on va mieux s'en sortir. Et puis, ouais, je pense qu'on va mieux s'en sortir. On verra. On va voir. Si c'est pas bon, on changera. Hein. Donc là, j'ai mon grid as same size. Donc c'est bon. Et maintenant, j'ai mon update sales à faire. Donc première chose qu'il me faut, bah, effectivement, c'est mes cellules. En fait, même je me fous complètement des cellules. On va faire, comme on fait un query selector, on va faire cells et row. Voilà, donc ça en fait, ça va me donner directement mes lignes, donc rows. Et puis ensuite, pour chaque ligne, justement, on va parcourir nos cellules. Donc ici, on va faire un rows. Je peux faire un for each là-dessus. Parce que je crois que ça me donne un. Ah oui, puis j'ai mis query selector. Alors, query selector all, pardon. Alors, row, c'est un node list. Est-ce qu'il y a un for each sur le node list? Oui, il y a un for each. Cool. Donc là, ça me donne une ligne. Et donc, pour chaque ligne, eh bien, on va récupérer les cellules. Donc, const cells est égal à row.query selector all. De celle là, comme ça j'ai toutes mes cellules. Puis ben maintenant, ben, j'ai plus qu'à parcourir mes cellules et puis à checker pour chacune faire un traitement. Donc là, je fais mon cells.forEach à nouveau. J'ai ma cellule qui m'est passée en paramètres. Et donc là, ben, on va regarder si la cellule en elle-même a changé. Enfin, si on a quelque chose qui est différent par rapport à ce que nous on avait. Donc, par exemple,
Est-ce que le type de la cellule a changé ou non? Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, donc, on a plusieurs paramètres à gérer dans la cellule. On a la quantité de phéromones. Ça, c'est une première étape. On a le type de la cellule. Puis, on a le nombre de fourmis. Alors, d'ailleurs, tiens, ce qui pourrait être intéressant de faire, finalement, c'est le code qui permet de générer la cellule. Plutôt que de s'emmerder à le dupliquer, etc. Déjà, ce serait pas bien de le dupliquer. Donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va se faire une méthode qui s'appelle Generate Cell, tout court. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une cellule. Et ensuite, on génère le code, le contenu de la cellule directement. Oh, c'est bien ça. Oh, ça me semble bien ça. Allez, on est parti. Donc, ici, une petite méthode private generate cell. On a besoin de l'HTML cell qui va être de type HT. Oh, puis en plus, on a déjà affecté. Oh là là, oh, c'est très bon ça. Donc ça, c'est un HTML cell element. Voilà. Et alors là, truc de méga dingue. Tout ça, là, pouet, 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 hop, jusque-là, ça redescend ici. Donc là, comme ça, j'ai ma cellule HTML. Bon, tant qu'à faire, on va lui donner le même nom. Hein. Donc mon cell HTML qui est là. On lui ajoute sa classe liste qui va bien. Et donc, qui va venir de cellHTML.cell. Et oui, on va l'utiliser un petit peu partout. Donc, on va peut-être récupérer ça là. Const cell égale à ça. Donc, ici, on va juste utiliser cell. Donc, blablabla, tout le reste, c'est bon. Je pense ici qu'on peut faire juste avant un cellHTML.classList. Est-ce qu'on aurait un truc du genre clear? Non. Est-ce qu'on... Ah, bah voilà, on va faire un point .length égal à 0. Comme ça, on vire toutes les classes CSS. Je ne peux pas. Ah, c'est un read-only. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour remove all? Il n'y a pas remove all, je suppose. Ce serait trop fort. Ah, fuck. Quoi, qu'en même temps, si, on les connaît, les classes CSS, en gros, c'est onTheIl. Je sais plus, c'est un string crochet-crochet. Bon, bah, on va faire un string crochet-crochet, hein. C'est pas ouf, cette partie-là, je suis d'accord, mais je vois pas d'autre moyen, sinon, de virer toutes les... Comment? Je vais y arriver, toutes les classes qui avaient été précédemment définies pour la cellule, pour être sûr qu'on mette bien que le bon type. Donc, il y a food, clear, anthill et wall. Et alors là, il n'aime pas. Pourquoi il n'aime pas? Remove, token, string, crochet, crochet, remove, argument, et blablabla. Et là, array of types is not as parameter of type. Ah, il veut juste une string, en fait. Il fout de ma gueule. Donc, en fait, là, espace, 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 et j'enlève ça. Ainsi soit-il. Donc, j'ai mon truc comme ça. C'est ça où il veut. Ah, est-ce que ça ne veut pas plutôt dire qu'il préférerait un truc comme ça? Ah, c'est peut-être ça en fait qu'il veut. Ok, puis ça après lui, comme un grand, il met ça dans un tableau. Donc je supprime ça, je fais mon bidule. Et tout ça, c'est bon. Et à la fin, donc, je fais un this.generate cell. Et je passe HTML. Ok, donc ça c'est good. Et donc là maintenant, ce qu'il faut que je fasse pour chaque cellule, qui en fait ici est une cellule HTML, justement, eh bien, s'il y a un des paramètres qui n'est pas bon, on va régénérer cette cellule-là, mais juste cette cellule-là. Donc,
if qu'est-ce que j'avais mis moi tout à l'heure? Grid has same size. Ok. Bon bah alors je dirais sales has changed. Voilà. If sales has changed, this.generate cell de cell HTML. Ça, c'est plutôt ce serait plutôt pas mal. Alors sales has changed quand même, faut lui donner de dire un petit peu de qui on parle. Cell HTML, c'est quoi? C'est parce que là, oui, d'accord, c'est un truc element. Donc là, si je fais HTML cell element, il est content ou pas? Il est clairement pas content. Et si je mets le as ici, il n'est pas content non plus. Donc juste pour voir ça. Et donc cell HTML as HTML cell element. Ok. Et là, il ne manque plus que ma petite méthode cell has changed. Donc private. Hop, cell has changed. Avec oui, c'est bien comme ça. Ici, donc, j'ai mon cell HTML de type HTML cell element. Et du coup, il va râler. Ça ira ou il râle pas? Cannot find cell has changed. Je l'ai pas écrit pareil. Ah, basis. Et du coup, il va râler ici. Bon, bah, on va faire. Élément HTML. Et puis, du coup, ici, on va avoir un const cell HTML égal à élément HTML as. HTML cell element. Voilà. Et puis comme ça, on utilise ça. Et là, on ne nous embête plus normalement. Alors, on m'embête toujours. Parce que void, alors que moi, boolean. Ok. On va y arriver. Salut Baba Ours. Bonsoir à toi. Le livre Bégon Vert gratos ce soir. Excellent. Excellent. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir si une cellule a changé? Et oui, et ça, voilà, ça c'est la bonne question. Comment est-ce qu'on le sait? Alors là, on a deux solutions. Soit on compare les attributs de la cellule à ce qu'on a affiché, et puis bah, voilà. Soit au contraire, on stocke éventuellement un attribut unchanged dans le modèle. Enfin, change dans le modèle. Bon, pourquoi pas? J'ai pas envie de modifier le modèle parce qu'on a des besoins dans la vue. Que ça c'est quelque chose qui est pas forcément un bon plan. Alors après, salut, ouais, bonsoir à toi. Après, ça dépend aussi des performances dont on a besoin, etc. Parfois, c'est plus intéressant comme ça. Effectivement, on fait moins de calculs, on fait moins de recherches, on fait moins de trucs. C'est un petit peu mieux. Mais là, ce soir, je pense qu'on va pas. Donc, const cell est égal à cell html.cell. Donc là, on récupère la cellule. De quoi on a besoin? On a besoin de savoir si le nombre de fourmis présents dans la cellule est égal au nombre de fourmis, par exemple, qui sont dans le. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un. Parce que si je fais un et. Plutôt un ouais oh putain les nouveaux cerveaux let as not changed est égal à true et donc là on va faire un return pas as not changed voilà. Je vais juste le faire comme ça pour le moment donc la fonction elle s'appelle as change et je fais du as not changed. Salut, tu peux nous expliquer la différence entre JSCTS s'il te plaît? J'ai déjà cherché mais j'ai pas tout compris. Ah bah alors en fait, si tu veux, j'ai les neurones qui fourmillent, ça me dérange. Bien vu, baba. Alors, Xixiway, JavaScript, langage de programmation web, on va dire par défaut, visible, compatible sur tous les navigateurs, plus ou moins compatible en fonction de l'ancienneté des navigateurs, mais grosso modo, voilà, maintenant aujourd'hui, JavaScript, ça marche partout, pareil. Et donc, ça te permet de faire du code côté client. Ça te permet aussi de faire du code côté serveur maintenant avec Node.js, mais bon, ça c'est autre chose. En gros, voilà, tu as le langage JavaScript.
Le problème de JavaScript, c'est qu'il a, en fonction des goûts, des faiblesses, ou en tout cas des choses qui peuvent manquer à certains pour se sentir plus à l'aise pour développer. Par exemple, le typage fort, par exemple, un paradigme objet un petit peu plus développé. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui vont manquer. Et en fait, ce qu'a fait Microsoft, ils ont développé un surensemble à JavaScript, c'est-à-dire c'est un langage dans lequel tu peux faire du JavaScript natif. Mais en apportant bah, justement les choses que j'ai citées précédemment, du typage fort, du paradigme objet plus développé, on va retrouver les interfaces qu'on n'a pas dans le JavaScript, on va retrouver les types privés, enfin, les attributs privés, publics qu'on n'a pas dans le protected qu'on n'a pas dans le JavaScript, avec qui on parlait du dièse, mais alors ça marche pas. Et puis voilà, donc ça va apporter pas mal de choses comme ça qui vont être un petit peu plus sympas. Qui va permettre, moi je trouve, de travailler dans un cadre un petit peu plus rigoureux et donc qui force à faire des choses un peu plus propres. Même si on peut faire des choses très propres en JavaScript, mais le problème du JavaScript, c'est qu'on peut vite se tromper, faire une connerie sans le vouloir, hein, même en voulant faire des trucs propres, on arrive à se foirer. Et le TypeScript, ça offre ce cadre-là. Et derrière, en fait, c'est transpilé en JavaScript. Donc ton navigateur, à aucun moment, il voit ce que c'est que du TypeScript, il sait pas ce que c'est. Idem pour Node.js, hein, qui ne travaille pas directement en TypeScript. Il y a un transpiler qui va passer tes fichiers TS en des fichiers JS qui sont ici. Et après, ça présente plusieurs avantages. Bon, bah, le premier, c'est justement qu'on ne travaille pas en JavaScript directement, mais en TS. Donc, on a ce cadre un petit peu rigoureux qui nous protège. Et puis, autre point moi, que je trouve extrêmement intéressant, c'est que ça permet de créer du JS rétro-compatible. C'est-à-dire que si tu es sur un environnement de développement maîtrisé, tu sais que les gens utilisent les derniers navigateurs qui sont à jour, etc., tu peux te permettre de dire à TypeScript, bah, tu me transpiles tout ça dans la dernière version de JavaScript qui existe, qui a été validée par le W3C ou par une autre instance. Et là, tu sais que ton application, elle va fonctionner parce que tu es dans un cadre contraint. Et puis à l'inverse, si tu te dis, tiens, merde, mon application, elle va tourner dans un cadre qui est complètement hétérogène, que je ne maîtrise pas du tout, où va y avoir du Safari, va y avoir de l'Opéra, va y avoir du Chrome, du Edge, peut-être un vieil Internet Explorer qui se balade dans un coin, et ben, tu vas dire, on va faire une génération de code JavaScript, mais qui soit antérieure à ECMAScript 6, on va faire du ECMAScript 5, par exemple. Et lui va s'occuper dans la plupart des cas de pouvoir te générer tes fonctionnalités directement dans le langage. Et si tu utilises en TypeScript des choses qui sont trop récentes, là, il va te faire une erreur, puis il va dire ça, il n'y a pas moyen, faut soit que tu utilises un polyfill ou un truc comme ça pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité parce que c'est vraiment pas reproductible directement dans l'ancienne version. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il est capable de reproduire malgré tout. Et ça, c'est plutôt top. Donc voilà un petit peu la description que je pourrais faire de TypeScript par rapport à JS. S'il y a des gens qui veulent compléter dans le chat, faut pas hésiter. Et puis comme dit Xen, si tu veux rejoindre le Discord pour poser des questions, faut pas hésiter non plus. Ça vaut pour toutes les personnes qui sont là ce soir. Hein. Si vous n'êtes pas inscrit au Discord, bah, n'hésitez pas à venir. Si vous n'êtes pas inscrit sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous n'êtes pas inscrit, si vous n'êtes pas, si vous followez pas la chaîne, bah followez. C'est l'occasion. Je vais faire un petit peu de forçage ce soir. Tiens, j'en fais jamais. Et ben voilà. JS égale descente de Mont-Blanc en camion sans frein. TS pareil, mais avec quelques glissières. Ah, t'es hardcore, Christophe. Ah, t'es hardcore. Inscrit. Alors, je sais pas, Soukato, j'ai dit inscrit. Il fallait, je sais pas dans quel cadre. Abonnez-vous, inscrivez-vous, followez. Alors, followez, ne vous abonnez pas. Abonnez-vous si vous avez plein de sous et que vous n'avez pas quoi en faire, mais sinon ne vous abonnez pas. Soukato, par exemple, il est tellement pété de thunes qu'il s'abonne même quand il n'a pas envie. Donc, tout ça pour dire que quoi? Tout ça pour dire que mon has not changed. On a le droit de faire ça en JavaScript, en TypeScript? On va voir. Est-ce que le et égal fonctionne? Pas sûr. Je suis pas sûr. Donc, et égal de cell.ans.length égal. Cell HTML.query selector all de ant.length. Query
Query Selector All, and Bands. Alors, c'est quoi le souci hein? C'est que Node List Number returns the number of nodes in the collection. Ok. Consider using A instead. Ah, is not allowed for Boolean type. Ok. Bah, tu m'arranges vachement, toi. Est égal donc à ça. Et ça. Ok. Donc, ça, c'est bon. La roue du forçage. Sur quel réseau social on va forcer? Ah, ça sent le vilebrequin, tout ça. Ah, ils me font quand même beaucoup rire, les deux blaireaux. Vraiment, ils me font rire. Enfin, je dis les deux blaireaux. C'est un blaireau affectif. Donc, ensuite, j'ai comparé mes hantes. Qu'est-ce que j'ai d'autre à comparer? La quantité de phéromones. Donc, cell.phéromone. C'est juste phéromone. C'est un number, ça. Ah ouais. Donc, la quantité de phéromones. Et donc là, normalement, je suis censé avoir un query selector. Comment je l'ai appelé? Alors là, par contre, je ne sais plus. Generate sale. Normalement, j'ai rajouté un phéromone. Voilà. Tout simplement avec un style opacity, donc c'est vrai que j'aurais pu ne pas le faire comme ça. Bon, après, ça revient au même que de mettre en dessous la ouais, non, on peut se faire chier. Hein. Donc, j'ai un cell.html.querySelector de phéromone, et donc là, ligne 124, déstructuration urgente. Ah, tu veux que je déstructure la selle? Mais pourquoi tu veux que je déstructure la selle? J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Non, j'ai pas envie. Donc, query selector de phéromone. Et donc là, il n'y en a peut-être pas. Mais on va dire qu'il y en a. Donc, point style, point opacity. Ou 0. Voilà, ça, j'ai le droit, normalement, on peut faire un truc comme ça. Et alors, pourquoi il n'est pas d'accord avec le style? Property style does not exist on type element. C'est vraiment sérieux, là? Le query selector, ça retourne un élément. Et alors, tu veux quoi? Parce qu'il faut, il te faut un HTML element, c'est ça? Donc, as HTML element. Really? Ok, bon, bah voilà. Donc là, comme ça, je teste ça. Le length, alors le length, il n'est toujours pas d'accord. Pourquoi il n'est toujours pas d'accord, lui? Length does not exist on type element. Bah parce que là, c'est all. Ah, j'ai pas enlevé le all au bon endroit, en fait, c'était ça. D'accord, donc là, je teste les phéromones, je teste le nombre de fourmis, et il ne me reste plus qu'à tester le type. Parce qu'on n'aime pas la répétition du nom de variable. Oui, ben moi ça me gêne moins, ça me gêne pas tant que ça. Voilà, na. Oh là, je m'amuse. Alors ici, donc j'ai mon type. Et en fait, c'est pire que ça. Je vais faire un get. Oh là là, c'est abominable. This.getCellCSS class de cell. Il faut que ce soit égal. Ah non, il ne faut pas que ce soit égal. Il faut que ce truc-là, j'ai un cell.html.classList.contains. Ça vient un contains. Oui. Là, je lui donne ce petit truc-là. Tac. Voilà. Et si ça n'a pas changé, bah, tout ça, en fait, on va être à true jusqu'au bout. Et s'il y a un truc qui diffère au milieu, eh bien, mon asChange passe à false. Et comme ça, j'ai pas besoin de, je ferai pas les tests suivants, puisque comme il sera à false, bah, de toute façon, on fera pas la droite de l'expression. Et là, normalement, ça roule. Na, voilà. Tu pourras teaser un truc sur le Discord dans le salon bot. Alors, qu'est-ce que tu veux que je tease, Glenn? Tu peux checker dès que tu as self-change, mais pourquoi tu mets pas un observer dessus? Tu veux checker dès que ta cellule change, mais pourquoi tu mets pas un observateur dessus? Pourquoi je mets pas un observateur dessus? Ah,
Parce qu'elle peut changer, tu veux, si je mets un observateur dessus, elle peut changer de différentes façons. Elle peut changer parce qu'il y a une fourmi qui arrive dessus, elle peut changer parce qu'on change son type, elle peut changer parce que le phéromone va évoluer, la phéromone va évoluer. Et donc typiquement, le fait qu'une fourmi arrive dessus et que la phéromone évolue, ça va nous faire deux déclenchements de changement. Et donc on va avoir deux appels à un refresh de la cellule, quand finalement, là, on pourra en faire qu'un seul. Donc c'est peut-être pour ça. Moi, je suis encore sur les fonctions JavaScript et toi, tu te balades tranquille dans le code chapeau l'artiste. Alors, ColdFreeze, je le développe depuis un peu plus longtemps que toi, du coup. Voilà, ça viendra, ColdFreeze, t'inquiète pas, ça viendra. Mais il y a peut-être un peu plus de bagou que toi sur le sujet. Après, tu vois, je ne suis pas parfait, je me fais engueuler par la communauté parce que je ne mets pas des listeners partout. Mais bon, on va déjà essayer ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que ça explose littéralement ou pas? Donc, je start. Déjà, apparemment, ça start. Les fourmis. Ah! Ah, petite chauve-souris. Alors, là, je pense savoir. Ah, bah oui, attends. Ah oui, le generate sale. Quand on generate le sale, il. Ah, pourquoi le generate sale? Ça déconne, oui. Maquet, débilin. Alors, antlens. Ah, c'est bizarre ça. Donc en gros, si la cellule a changé, je régénère la cellule, sinon je ne régénère pas la cellule. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a un petit problème sur les ants. Oh oh! Oh, c'est magnifique ça. Alors, est-ce que les cellules. Bon, la phéromone, ça a l'air de marcher. Par contre, je n'ai pas l'impression que l'évaporation, il se passe grand-chose. Oh putain, puis en fait, il en chie sa mère. Ah ouais. Ah oui, non, en fait, là, il est juste en train de s'effondrer, là, je pense. Alors, ça, c'est rigolo. Je pense qu'on a. Allô, Houston. Ah oui, ouais, en fait, c'est ça. Allô, Houston, we have a problem. Je pense qu'il y a un truc qui part en sucette, quoi. Ça ne vient pas de ton remove. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais y a un truc qu'il n'aime pas tellement, là. Il n'est pas super, super content, le garçon. Alors, update cells. Donc, on a la même taille de cellule. Ok. Pour chaque lot, je parcours chaque cellule. Ça me semble pas déconnant. Et ensuite, donc j'ai une cellule qui est mon élément HTML. Si la cellule a changé, je génère la cellule. Ensuite, est-ce que la cellule a changé? Alors déjà, tiens, faire un truc ici. Combien de cellules qui changent? Parce que techniquement, quand il n'y a qu'une seule fourmi, il n'y a qu'une seule cellule qui change. Console.log de ici. Si j'ai plein de ici, c'est qu'il estime que les cellules changent tout le temps, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et start. Ah oui. Wow. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, il estime qu'il y a beaucoup de cellules qui changent alors qu'elles ne devraient pas. Donc là déjà, ça c'est un problème. Donc c'est ici que le problème se passe. Ça ressemble au Game of Life. Ben, c'est un peu, je crois, c'est un peu l'idée. Si ce n'est que là, l'idée, c'est pas de promouvoir la vie. C'est juste d'essayer de voir, de trouver un petit algo de fourmi qui soit pas complètement dégueu. Voilà. Tout en essayant de respecter les contraintes de la réalité. Si on essayait avec le Mutation Observer, eh ben non, pas ce soir. Il y a un de ces trucs-là qui fait que ça change alors que ça ne devrait pas. Donc, have not change, on est d'accord. Donc, ici, je vais faire un console.log de 1 plus has not changed. Ça doit le faire. Hop, hop. Et là, bien sûr, 2. Et 3. Ça va être horrible. Ah oui, non, ça ne peut pas le faire en fait. Ah, parce qu'en fait, il va me faire ça pour toutes les cellules, ce con. Ah oui. Mais on voit qu'il y a des trous, qu'il ne devrait pas avoir de trous. On a les trous sur le 1 et sur. Alors, attends, voilà, stop, hein, tant qu'à faire. Les trous, c'est sur 1 et 2. Donc les 1 et 2, ils nous retourneraient alors qu'ils ne devraient pas. Le 3, ça marche. Donc en fait, la taille du nombre de fourmis, ça, il n'y a pas de problème. Puis là, ça fonctionne. C'est une connerie.
Non, c'est le dernier. Ah oui, non, je dis une connerie, excusez-moi. Le true, true, c'est bon. Le false, c'est le 3 en fait qui déconne. Donc ces deux-là, ça marche. Et c'est la troisième qui part en vrille. Alors qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis cell.ans.length est égal, égal. Ah mais le con, je me suis trompé. Là, c'était pheromone. Pheromone, c'est ici. Et là, c'est les ants. Super neuneux. Voilà. Allez, on y retourne. Tac. Start. On ajoute une petite fourmi. Pouc. Bon, c'est toujours pas ça qui est ça quand même. Stop. On va remettre un petit booléen là-haut pour savoir est-ce qu'on a du changement régulier. Console.log de ici. Voilà. On peut te balancer une bouée pour t'aider. Ah, oh, ça devrait aller. Ça devrait aller. Stop. Ah non, pourquoi il en trouve autant qui sont. Ça rechange, ça rechange encore. What the fuck? End.lens, query selector ant, query selector human, style opacity. Ah, j'ai mis un égal égal par contre. Ça va pas. Ça, je pense que ça ne va pas. C'est mieux. C'est beaucoup plus mieux. Mais pas complètement beaucoup plus mieux. Parce que là, il trouve quand même beaucoup de cellules qui ont changé. Alors que ça ne devrait pas. Là, j'ai l'impression qu'il est mort. Qu'est-ce que c'est que cette carabistouille? Mais c'est pas normal! Pourquoi il changerait x fois d'état? Bon, c'est déjà un peu mieux. On n'est plus à 9999 cellules qui ont changé d'état en 4 secondes. Donc ça déjà, c'est plutôt cool. Mais il reste encore un problème. Alors, console, on va refaire le petit console que j'avais fait, qui me permettait d'identifier un peu ce qui n'allait pas. Donc, has not changed. Hop. Là ensuite, on va partir donc sur le numéro 2 et puis sur le numéro 3. Bien. Donc déjà, hop, start. C'est tout le temps true. Ça, c'est cool. J'ajoute une fourmi et je fais stop. Bah, je veux bien les enfants, mais. Apparemment, pour lui, c'est toujours vrai. Ah, mais putain, le stop, il change plus. En fait, il se rafraîchit juste pas. Je pense qu'il y a tellement de trucs qui sont écrits. Mais pourquoi elles bougent plus, les grosses, là? Alors, il dit tout le temps true, ce con. Il n'y a pas une fois où il y a marqué false là-dedans. Ah, si, quand même. Il y a des petits false. Et c'est false sur 2 et 3. Donc 2 et 3, c'est le nombre de. Donc ça, c'est logique. Le nombre de phéromones, c'est logique. Ah, mais si! Oui, forcément, il y a plein de cellules qui changent parce que c'est les phéromones. Donc c'est logique. Les phéromones, à chaque top d'horloge, elles sont recalculées. Et donc forcément, elles évoluent. Et donc il faut rafraîchir. Donc jusque-là, ça, c'est bon. Par contre, en fait, ça génère un tel temps de traitement de tout tester que c'est vraiment la merde. Donc ouais, finalement. Bah, peut-être venir sur un observer. Mais bon, mais à mon avis, trop de forage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, ça fout la zone. Ça contrebalance complètement la reconstruction juste basique de l'arbre. Alors, monsieur Sukato, il veut qu'on mette des mutation observer. Tu vois, finalement, on va y arriver à ton mutation observer. Blablabla. Mais il jubile le cochon. Je sais que tu jubiles derrière ton écran. Sale gosse. Alors, new mutation observer function callback. Fournir intercepter les changements dans le DOM. Ah mais en fait, on n'en a juste rien à foutre des changements dans le DOM.
Ah non, mais non. Non, en fait, le Mutation Observer, on s'en bat les steaks. C'est pas la cellule qui change d'état. Enfin, c'est pas la cellule visuelle qui change d'état. C'est dans le code que ça change d'état, monsieur Sukato. Donc en plus de ça, ta solution, elle est pourrie. Voilà, là. Là, ta solution, à mon avis, elle est pas bonne. Bon, si on veut faire de l'optimisation, on va avoir un truc. C'est pas très beau. Hein. C'est pas très beau, mais enfin, je sais pas, on va voir. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, ici, je mets change, ce qui va être un booléen. Et puis. Ouais, voilà. Ça pourrait être un sujet. Ah non, il faut pas que ce soit un sujet. Non, je dis une bêtise. Donc là, ok. Je mets mon booléen. Donc là, ici, this.changed est égal à false. Ou plutôt est égal à true au début. Quand même mieux, si on veut l'actualiser. Et puis, donc, quand on modifie les phéromones, donc bah, ici, this.changed est égal à true. Bon, je pourrais même faire une méthode, ce serait même mieux. Change. Private change up true donc this.change up j'ajoute une fourmi, je change, j'enlève une fourmi, je change. Voilà. Hop, normalement j'ai que ça à traiter, et du coup dans mon ViewLand, bah, en fait le has changed, on n'a plus besoin. J'ai juste besoin de regarder si cell.html cell.change. Et qu'est-ce que. Ah oui, c'est pas this, il n'y a pas de this devant. Hop, console.log ici, et là generate cell. Qu'est-ce que ça nous donne ça? On start, j'ajoute une fourmi. Alors, il y a bien le petit dessin. Voilà, ça n'a pas l'air de laguer. Ça a l'air d'être plutôt bien. Par contre, elle ne s'efface pas, la bitch là. Hello, the side 19. Bonsoir à toi. Ça me rassure, je ne suis pas le seul à me prendre la tête sur le code loi de Murphy. Oh non, là, c'est pas forcément loi de Murphy, c'est plus de la connerie, tu vois, là, c'est... Alors, RxJS, qu'est-ce que tu appelles RxJS, mon cher Cool Wizard? Les Reactive Extension Library for JS. Oh, non, pas de library ce soir. J'ai pas envie. Mais, attends, non, quand même, je peux pas virer ça comme ça, RxJS. Juste checker, quand même. Bon, je l'utiliserai pas ce soir, mais juste pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font avec. Reactive Extension Library... Programming using observables to make it easier to compose asynchronous and les objets qui better performance, better modularity, better debugger. Ok, d'accord. Donc c'est juste pour intégrer un petit overview comme ça, juste pour voir. Document test null console point blablabla. Import from RGX, from event document click, subscribe. Ok, oui, donc c'est vraiment le bon vieux pattern observateur. Ok. Mais pas de lib ce soir. Et ouais, ok. Ce que je voulais comprendre, c'est pourquoi quand je génère ma cellule, pourquoi il ne me vire pas. J'ai mon. Alors déjà, pourquoi. Ah oui, non, ça c'est Generate Cells. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Generate Cell tout court. Donc c'est un petit peu plus. C'est un peu plus où déjà? Ah, il est là, Generate Cell. Donc j'ai mon cell. Ah mais oui, mais c'est ça. C'est là où je suis une truffe. Ici, inner HTML est égal à poète poète. Voilà, c'était ça le problème. Bien sûr, c'est pour ça aussi qu'il y avait moult éléments qui devaient être créés tout à l'heure à la con. Ah là, ça se déplace. Puis là, on peut y aller pour que ça aille vachement plus vite, du coup. Ah! Puis là, ça tourne.
Alors, GG ou bien? Bon, la solution est un peu cradote. Mais en même temps, la solution est cradote, mais au moins elle ne fait pas des tests à tout va en permanence. Donc ça peut être pas mal. Maintenant, effectivement, on pourrait encore faire une autre méthode qui dit que, comme on a vu tout à l'heure, quand on modifie des choses dans la cellule, on attache une callback qui redessine cette cellule en particulier. Ce qui m'ennuie un petit peu avec ça, c'est comme je vous disais, ça veut dire qu'on va redessiner la cellule peut-être plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs états qui sont susceptibles de changer à chaque passe de la simulation. Alors que là, finalement, alors c'est vrai qu'on est obligé de scanner toutes les cellules pour savoir si elles ont évolué ou non, mais comme il y a juste un booléen à scanner, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui serait le better. Est-ce qu'on a un truc en JS qui permet de faire de mesurer de manière assez précise le temps écoulé, de pouvoir faire des tests comme ça de performance. Je le mets en français, mesure temps précis. Comment mesurer le temps d'exécution du code? Est-ce qu'on a quelque chose? On a un DBC1. Utiliser le Node.js de la console time et de la console time end. Bah oui, puis quand t'es pas sur Node.js, tu fais quoi? Alors, il y a processus HR time. Ouh. C'est vraiment vrai ce mensonge? Est-ce qu'on a vraiment quelque chose comme ça? Processus. Point HR time. Non, apparemment, processus, il connaît pas le coco. Il le sort d'où son processus, l'autre là. Il y a une méthode qui est conçue pour cela, découvrir processus. Ah, mais là, c'est parce que ça doit être du code, c'est du note, ça. Ah, bah oui, forcément. Ah, bah bravo, bravo. Mais moi, ce que je veux, c'est en côté front. Ça marche, ça fait le job. Ah oui, mais alors le fait que ça marche, ah, ça veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est bien sûr pas du côté navigateur. Alors, si je mets JS Execution Time, Client Side. Check time execution client side. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous est donné par ici? Bon, les secondes, on s'en fout, nous. Alors, use get time instead of get second and divide the difference by 1000. Donc, start get time. Alors, nous, on peut essayer, hein. Allez, on se le tente, on va voir si on arrive à faire un truc qui soit plutôt pas mal. Mais front, tu peux faire console time et console time end. Ok, alors allons-y, on va essayer. Console.time. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la méthode display cells. Donc ici, on va faire un console.time et un console.time. And. Alors déjà ça fait quoi? Pouf, pouf. Donc default. Donc 8 millisecondes. Ok. Donc si on start, effectivement, ça va nous mettre à chaque fois 9 millisecondes. Je mets une fourmi. Hop, pof, 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 pof. Donc on voit qu'on a une durée d'actualisation qui tourne autour, et qui autour de 10-15 millisecondes. Qui va crescendo. Parce que bah, forcément, plus elles avancent et plus il y a de. Plus il y a de cellules à mettre à jour, puis je pense que plus on va monter comme ça. Et oh, ça va encore, c'est pas, ça n'a pas l'air d'être si pire. On va avoir de plus en plus de cellules qui sont phéromonisées, donc ça fait plus de cellules à actualiser. Mais globalement, c'est pas déconnant, sachant que le tout premier il faisait 8. Ok, donc là on tourne, on va dire, autour de 20 millisecondes. Est-ce que si on met alors des events, en fait, le problème, c'est que je ne vais pas être capable de mesurer ça. Parce que les events, ils vont avoir lieu de manière asynchrone, ils vont avoir lieu un petit peu n'importe quand. Tu peux lui passer une string pour la mettre dans un groupe.
Bah, ça ne change pas grand-chose, monsieur Tsukato. Si c'est qui a marqué groupe devant. Alors oui, si tu veux mesurer plusieurs temps d'exécution, effectivement, ça peut être intéressant. Ce que je suis en train de me dire, c'est qu'avec l'asynchrone, on ne sera pas capable de mesurer réellement le temps. Ah, ou alors on pourrait faire un truc de malade. Ah, on pourrait peut-être faire un truc un peu plus funky, plutôt que de changer systématiquement. Oh, performance now. La méthode 1 retourne une valeur de type dans ma thread. Ok. Donc on peut faire un performance now, et ensuite tu peux. D'accord, tu peux le faire comme ça. Ah, on vient voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ouais, mais bon, après, bon, là, le problème sera le même. Dans la console, le groupe par défaut, c'est default. Si tu veux gérer. Ouais, c'est ça, plus de temps, d'accord. Non, ça c'est cool, effectivement. Non, je suis en train de me dire ce qui pourrait être sympa. C'est genre de faire une map dans le ViewLand. La map des cellules réactualisées. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai mes méthodes asynchrones qui disent hey, la cellule, elle vient de changer d'état, donc il va falloir l'actualiser. On ne fait pas une actualisation immédiate. On fait l'actualisation quand on dit à la carte de se redessiner. Et en fait, le land, finalement, lui, il se dessine dans plusieurs cas. On a le cas où manuellement on change l'état d'une cellule. On a le cas où le load, quand on charge la carte, on a une notification. Quand on modifie la taille du truc, on a une notification. Et voilà. Donc il n'y a que ces cas-là où ça recharge. Et également, quand on a la simulation qui fait un next tape. Donc ce cas-là. Et donc ça, en fait, ça permettrait de calculer déjà toutes les variations des cellules. Et une fois qu'on l'a fait, on a le notify. Et c'est là qu'on reprend la liste des cellules qui sont à mettre à jour et qu'on fait l'update. Donc ça se pourrait être rigolo, mais en même temps, la cellule, elle ne connaît pas son truc HTML. Et ça fait un peu yesh. Alors, comme disait tout à l'heure, je crois que c'était physics, effectivement, je pourrais mettre les attributs x, y pour trouver la cellule. Et en même temps, techniquement, j'en ai pas besoin. Mais ce serait peut-être plus propre. Allez, on va essayer. On va essayer, puis on va voir ce que ça donne si on arrive à avoir quelque chose d'un petit peu plus fin que ce qu'on a là actuellement qui tourne autour de 20 millisecondes, d'ailleurs, sans fourmi. Pas de fourmi. Enfin, voilà, ok. Donc ça c'est bon. Ah, d'ailleurs, il y avait un truc qui était chelou. C'est déjà le stop, il change plus de name. Et une fois que j'ai cliqué sur stop, ça ne redémarre plus. Ah! Donc là, je pense qu'il y a un petit couac au passage. Ça, c'est dans le View Simulation. Et donc, quand on clique sur le BTN Start, on fait un this.controller.simulation.toggle. Et quand on fait le toggle, on fait if this.simulation.started, this.stop. Donc, si elle est démarrée, on l'arrête. Et sinon, on la start. Quand on la start, on met le .simulation est égal à true. Et quand on la stop, qu'est-ce qu'on fait pas? Et voilà, on ne dit pas qu'elle est arrêtée. False. Ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas un simulation.stop dedans. Pas fait ça, moi. J'ai pas fait ça. D'accord. On aurait pu faire un start et un stop. C'est pas très grave. Donc, là juste pour voir comme ça si on stop, ben non, pas mieux. Oui, il veut pas ça. Je vous abandonne si je n'arriverai pas. Ah, bah oui, bien sûr. Bon courage, Christophe. Et puis, à demain soir, donc 15 h, hein, on est d'accord. On change pas le. Après, tu me dis, hein, si tu veux changer, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Started, machin. Et qu'est-ce que j'ai dit? Donc mon view, non, mon contrôleur simulation.
quand on stop, la simulation stop, logique. Et quand on start, et ben ça start. Donc bizarre ce truc. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai glandouillé? Ah. Ok. Bon bah là c'est bon. Alors ça se trouve, c'est parce que j'avais mis la simulation started après le next tape. Et le next tape, est-ce qu'il check si justement tout va bien? Je sais pas. C'est étrange. C'est étrange. J'dis simulation set timeout. Ouais, non, là j'avoue, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a eu. Bon. En tout cas, voilà. Déjà, le start, il tourne. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais essayer donc de faire ce machin-là. Allez, on se tente un petit truc. Du coup, on travaille pas du tout sur l'algo. La fourmi pendant ce temps, on fait juste de l'opti, mais voilà ce que je me demandais. Je me disais effectivement sur le on change, donc on pourrait lui affecter hein, une méthode. Donc ça, je vais virer ce truc là et à la place, je vais mettre un member on change qui sera de type qu'est-ce qu'on peut mettre comme type? On peut dire que c'est une fonction on change, ok. Donc on peut lui définir la fonction qu'on veut lui affecter, on peut récupérer la méthode. Est-ce que c'est intéressant de récupérer la méthode? Pourquoi pas? Par défaut, donc this.onChange, onChange, ce serait égal à nul. Et puis, on va garder notre petite méthode change. Ah bah oui, je l'ai viré du coup. C'est pas off, non, this.change. On va faire un if. This.onChange. This.onChange. Et this possibly undefined. Pourquoi j'ai mis un this ici? Voilà. Donc, ça, de toute façon, celle-là est private. Donc là, on appelle le changement et le problème, c'est que du coup, par contre, on sait pas qui a fait le changement. Peut-être qu'on peut fournir un petit this en paramètre. Et puis dans le ViewLand, alors forcément, là, elle est plus très contente parce qu'il y a toute cette histoire de asChange, etc., qui n'existe plus. Mais c'est surtout que quand on fait le generateSelves, celle tout court. Bon, ça, il y a les mouse move and co. Et ce qu'il faudrait, c'est que celle.unchange est égal à une callback qui prend justement en paramètre changed cell. Et qui va donc appeler notre méthode this.updateCell. Donc là, change. Ok. Alors pourquoi change cell, il n'en veut pas? Implicity as. Ah, ok. Donc ça. Donc. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Argument but. Update self. Ah bah oui, parce que forcément, c'est un autre truc. Je suis en train de partir dans un machin. Donc ici, là, on va se mettre à private updated. Cell égale à cell j'accrochais mais non pas de zéro voilà. Puis c'est pas égal c'est deux points oh, ça y est là la fatigue elle est arrivée ensuite this point et puis j'ai oublié de mettre l'underscore forcément voilà donc this point updated cells est égal à crochet crochet.
Jusque-là, c'est bon. Le Asm Size, on va quand même le garder. Ensuite, on va avoir le Update Cells. Et en fait, ça, je vire. Dans mon truc, il est où? Voilà, Change Cell. On ne pourra pas faire ça comme ça. On va faire un this.change cell avec le underscore qui va bien. Push the changed cell. Est-ce qu'il ne plaît pas? Does not exist on tap on type viewland. Je l'ai appelé comment? Ah, je l'ai mis updated. Et ben, ce sera changed. Voilà. Ok. Donc là, comme ça, j'ai mon tableau de cellules qui a été modifié. À chaque fois qu'une cellule est modifiée, elle s'ajoute à ce tableau-là. Par contre, non, en fait, cette réponse que je viens de faire, faut qu'elle s'ajoute si elle n'est vraiment pas dedans. Donc, sinon, elle va s'actualiser pareil plusieurs fois. Donc, il faut, non, faut que je fasse un truc un petit peu mieux. On va faire un this.add changed cell. Et on passe donc changed cell en parallèle. Et cette méthode add changed cell, elle va donc nous faire un truc dans ce goût-là, mais en un petit peu mieux, c'est-à-dire qu'avant on veut s'assurer que changed cell elle n'est pas dedans. Donc if this.changed cells point find ou c'est find, oui, non, c'est index of changed cell est égal à moins 1. Ok, donc là, comme ça, j'ajoute ma petite cellule, ensuite à chaque fois, et si elle n'existe pas déjà dedans, et en fait, le update cells, bah, plutôt que de faire un truc dans ce goût-là, nous, ce qu'on va checker, alors le generate cells, je le garde, et en fait, on va faire un this.changed cells.forEach. Alors, il va quand même en falloir un pour parcourir tout ça. Sauf que cette fois-ci, je suis plus obligé de parcourir toutes les cellules du cadre pour savoir si elles ont changé. J'ai directement les cellules qui ont été modifiées. Donc là, j'ai ma cellule. Et donc, ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de mettre les attributs X et Y, et ben, why not? Donc ça, c'est quand on génère la cellule. Generate cell, cell HTML. Si, donc on peut mettre donc un cell HTML.data 7. X est égal. Ah oui, mais là je n'ai pas le. Alors si je l'ai en plus. Je suis perdu! Tu m'étonnes, The Side 19. Alors là, en fait, je fais le truc dans ma petite tête en même temps. En gros, si je t'explique. Là, jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, on a fait plusieurs choses. On a fait une première chose où finalement, on scannait toutes les cellules de la map. On comparait ce qu'on avait dans la cellule HTML et dans la cellule du modèle, et on regardait s'il y avait des variations, et dans ce cas-là, on régénérait la cellule. Ça, c'était la première étape, mais c'était ultra lent, c'était très gourmand, c'était pas bon. Deuxième étape, on a dit, bah, on va mettre une variable changed directement dans la cellule, et comme ça, bah, elle va indiquer que son état a changé, on n'aura plus que le booléen à tester. Et effectivement, ça c'était déjà beaucoup plus rapide. Et troisième chose que j'ai envie d'essayer, mais dans tous les cas, on est quand même obligé de parcourir toutes les cellules de la grille pour vérifier son état. Et troisième chose que je veux essayer, c'est faire une espèce de mix entre ce que proposait Sukato, ce que proposait, je sais plus si c'est. Il y avait Sukato qui proposait ça, et puis il y a une lib également qui m'avait été proposée un petit peu plus tôt. Et bah, tant pis, je sais plus. Et là, l'idée en fait, c'est un mix entre ça, c'est-à-dire qu'on a notre cellule
qui a finalement une espèce de pseudo-listener, observateur, ce que tu veux, qui va dire, bah voilà, moi, je viens de changer d'état, donc sachez que j'ai changé d'état. Et donc, bah, celui qui récupère ça, il va ajouter la cellule dans sa liste, comme quoi, hop, toutes les cellules qui ont changé d'état. Et en fait, on va aller directement chercher la cellule qui nous intéresse dans le tableau et changer l'état uniquement de celle-là, sans passer par des for each qui vont parcourir, qui vont faire x appels. Donc peut-être que ce sera plus rapide, peut-être que non, parce que ça va quand même faire des query selectors qui, à mon avis, sont un peu complexes, et peut-être que ça va merdouiller. Mais on va voir. Donc là, déjà, on va faire le sel.html.dataset.x est égal à sel. Normalement, j'avais conservé. Ah putain, me dis pas que je les ai virés. Parce que tout à l'heure, je me suis dit, ah, mais ça sert à rien maintenant. Et je les ai peut-être virés. Ouais, je les ai virés. Avant, j'avais les coordonnées X et Y de la cellule à l'intérieur, je les mémorisais. Et après, je me suis dit, bah ouais, mais finalement, on ne les utilise plus maintenant, les coordonnées. Eh ben, on va les remettre. Hein. C'est pas grave. Allez, member X, number. Ensuite, member Y, number. Merde. C'est du read-only. Donc, il n'y a pas de setter dessus. Hop. Read-only. Boom, boom. Et puis, les fourmis ont des positions. Ouais, en fait, la seule position qu'elles ont, les fourmis, c'est elles savent dans quelle cellule elles sont. Mais après, elles n'ont pas, si tu veux, de coordonnées globales dans le monde. Ce n'est pas quelque chose qui les intéresse. Ce n'est pas quelque chose qu'elles savent. Et du coup, ici, ben. Ah putain, en fait, ouais, j'avais laissé dans le constructeur et j'avais juste viré les liens. Donc, 6.x est égal à x et 6.y est égal à y. Voilà, avec un petit underscore ici. Et comme ça, ben, finalement, c'est bon. J'ai récupéré donc les coordonnées, c'est bien. Je reviens dans mon ViewLand. Et donc là, ici, c'est cell.x. Et puis, là, ce sera dataset.y. Alors, forcément, il va me dire que y, c'est pas un membre. Ah, the number is not a... Ah, ça va. Donc là, je peux faire un point toString. Voilà. Donc là, comme ça, on a bien notre dataset. Ça, c'est bon. Et on peut le voir normalement si je vais checker une cellule, peu importe. J'ai bien son data Y et son data X qui ont été générés. Donc ça, c'est cool. Et puis, maintenant qu'on a ça, eh bien, quand on fait le update sales, on fait ça. Et on a juste à faire un document. Oh. Même peut-être resserrer la ouais. Query selector, je sais pas s'il y en a un qui va être plus rapide que l'autre. Donc query selector 2, ça va être une cellule crochet x égale de ça, plutôt comme ça. Donc tac avec un dollar cell.x. Et oui, si je veux faire ça, on va utiliser cette notation. Ce sera mieux. Et puis, je ne sais plus, on peut mettre une virgule là-dedans. Je n'ai jamais essayé. Tiens, avec plusieurs paramètres. On va tenter. $cell.y. Et ce n'est pas Y, mais c'est data Y et data X. Donc ça me donne ma cellule HTML. Et donc là, j'ai juste à faire un this.generateCell de ce truc-là. Alors au début, il va pas être. Oh, il dit rien. Bon, bah, il dit rien. Bah, c'est merveilleux. Voilà. Et une fois que j'ai terminé ça, bien évidemment, this.changeCells.length égale 0. On réinitialise le tableau, puisque comme les cellules ont été régénérées, bah, ce n'est pas la peine de les régénérer la prochaine fois. Donc, il faut bien penser à le virer. Donc là, normalement, j'ai mon update cells. Le reste, ça n'a pas changé. Est-ce que déjà, ça fonctionne? Si je fais un start et que j'ajoute une fourmi, clairement, il y a des erreurs. Alors, les erreurs, c'est quoi? On a un DOM exception file to execute query selector on document cell crochet blablabla blablabla. Is not valid. Ok, alors justement,
Ça tombe bien. Comment est-ce que je fais quand j'ai plusieurs items à donner? Parce qu'on est d'accord que la première, elle existe bien. On a bien une celle data X, data Y. Alors, qu'est-ce que j'ai mis, moi? J'ai mis donc un document.querySelector et j'avais mis cette chaîne-là entre cotes. Alors là, du coup, faut peut-être plutôt que je mette une cote simple. Est-ce qu'il y a des gens d'un crochet X? Ah, c'est il faut mettre plusieurs crochets. D'accord. Donc, tac, tac. Effectivement, comme ça marche beaucoup mieux. Donc, on est parti pour cette notation. Tac, tac. Et donc là, on actualise. Il n'y a pas d'erreur. On peut start. Je mets mes petites souris, mes petites fourmis. Oh non, on va réduire au contraire la vitesse. Ok, pouet, 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 pouet. Bon, à ce niveau-là, ça a l'air d'être tranquille. Maintenant, on se remet notre petit timer comme tout à l'heure, dans la méthode update eux-mêmes, dans celle-ci, en fait, hein, dans display cells. Donc, on avait un console.time, nous avait dit Sukato, et on avait le console.timeEnd. Et donc là maintenant, si je réactualise, je start. Alors, waouh, oh putain, oh ça fait mal en fait. Ah, oh, ça fait tellement mal. Quoi qu'en même temps, je sais pas. Ah ouais, non, c'est carrément pas bon. Hein. C'est carrément moins bon. Je pense que c'est. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que c'est la multitude des query selectors qui fait vraiment mal là pour le coup. Et il y avait un autre truc que j'avais envie d'essayer, c'est plutôt que de faire un query selector directement sur document, c'est de tenter de le faire sur vraiment la partie cells. Donc faire un const cells est égal à document.querySelector de cells. Et du coup. Ne plus faire le query selector sur tout le document, mais juste sur celle. Peut-être qu'il gagne un petit peu, mais je suis pas convaincu. Ouais, non, c'est clairement pas ouf. Donc, pas très optimum, ça, comme solution. On voit qu'on est quand même plutôt autour de 50 millisecondes, quand tout à l'heure, on était plutôt à 20. Donc, pas ouf, ouf. Pas ouf, ouf. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Ben ouais, forcément. Alors, la modification du DOM en soi, tu vois, là, on modifie une cellule. Je pense que c'est pas forcément très coûteux. À mon avis, ce qui nous coûte, c'est d'aller chercher la cellule par le query selector. Ça, je pense que c'est vraiment vénère pour le coup. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit à ce point-là, on est quand même sur un x2, x3, facile, ouais, facile, hein, au moins un x2 en termes de temps. C'est là qu'on arrive au canevas. Eh bien, tiens, écoute, on se le note. C'est-à-dire que là, on voit qu'on est quand même sur des temps qui approchent des 100 millisecondes. Hein, c'est-à-dire qu'on est. La vitesse, c'est normalement, je fais une simulation toutes les 100 millisecondes. Et là, en fait, on voit qu'on atteint quasiment le temps de rafraîchissement. Donc, techniquement, on ne pourrait pas aller en dessous. Si je voulais descendre, de toute façon, je n'autorise pas. Si on voulait descendre en dessous des 100 millisecondes, de toute façon, ça ne marcherait pas parce que on met plus de temps à rafraîchir qu'on ne met à calculer. Donc ça ne passera pas. Je vais peut-être dire une bêtise, mais pourquoi pas faire un tableau hors DOM, donc on pourrait pas le gérer par le contrôleur, envoyer juste la position update. Alors en fait, si tu veux, salut Lucas Montaigu, bonsoir à toi. Je vais répondre le console.log, c'est coûteux en vrai. J'ai déjà planté un algo. Alors là, en fait, si tu veux, le console.log, ça c'est pas très grave qu'il soit coûteux, lui. Le console.log, il nous permet juste de calculer le temps. Je vais te montrer un petit peu. Putain, je ne sais plus où c'est. C'était au-dessus. Non. C'est là. Voilà, on fait juste un console.log de time et un console.log de end time. Donc en fait,
Là, l'opération, la console mémorise l'instant T, l'heure entre guillemets à laquelle on se trouve à ce moment-là. Et puis ensuite, quand on fait le time end, c'est à ce moment-là qu'elle fait l'affichage et elle nous indique le temps qui s'est écoulé entre cette instruction-là et celle-là. Donc finalement, si tu veux, là, le coût du console.log, il n'est pas comptabilisé dedans, il apparaît après. Donc ça, c'est pas forcément très grave. Pour répondre à la question de The Site 19, donc on ne pourrait pas le gérer par le contrôleur, envoyer juste la position à update. Alors ça, on pourrait le faire sans avoir à faire de. Comment? De query selector. Ce serait faisable, mais ça sous-entend. Mais pour faire ça, il faudrait qu'on stocke dans la cellule l'objet HTML auquel elle est rattachée. Et là, à partir de là, effectivement, si tu veux, tu n'es plus du tout obligé de faire de recherche puisque tu as l'information directement dans la cellule. Tu sais que c'est cette cellule-là HTML qu'il faut modifier. On n'a plus de query selector à faire. On peut tenter pour voir, mais par contre, je trouve que la structure est dégueulasse. C'est vraiment pas beau. Je vais mettre ici un HTML element, donc qui sera pour le coup, ce sera un HTML cell element qu'on va stocker. Putain, et puis j'ai fait une faute. Forcément, j'ai fait deux fautes. J'ai fait trois fautes en fait. Hein, c'est terrible. J'ai fait plein de fautes. Voilà. Donc le HTML element. Tac. Et puis ici, donc par défaut, this.html element égale à nul. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on génère la cellule, generate cell, ici, on va dire que notre cell.html HTML element est égal à cell HTML. À partir du moment où j'ai ça, alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que this HTML, où ça dans cells? Qu'est-ce qui lui plaît pas au coco là? HTML cell element, ah c'est parce qu'il connaît pas, il a pas l'apport, ok. Et donc dans le ViewLand, à partir du moment où j'ai ça, je suis plus obligé de pour chaque cellule que je veux update. Je suis obligé de faire un query selector, il me suffit juste de faire un cells.html element. Et tout ça, a plus besoin. Voilà. Alors, cells.html element, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Does not exist untype element. Est-ce que cells. Ah oui, je suis tellement con, moi. C'est cell.cell. Non, merde. This.change. Ah non, je suis con, oui, c'est cell, tout con. Voilà. Et là, j'ai encore un problème. J'ai un problème où? Ah non, non, found three errors. Cells à la ligne. C'est contrôle-clic. À la ligne, 36. Donc, qu'est-ce que c'est quoi? Ben non, il n'y a plus de soucis là. Ah, il n'y a plus de soucis. Ok. Donc là maintenant, on était toujours à 100, ouais, et puis même vachement plus. Donc j'actualise la page, je relance la simulation, et puis là, je vais nous mettre quelques fourmis, voilà. Et là, on s'aperçoit qu'on retombe à des temps qui sont pas mal. Par contre, on voit qu'on a un petit peu gagné par rapport, je crois, j'ai l'impression, par rapport à tout à l'heure, où on tournait plutôt avec ce nombre de fourmis-là, on était plutôt autour de 20. Là, on est un petit peu en dessous. Et là, en fait, si tu veux, on redraw vraiment que la cellule dont on a besoin et on sait exactement où elle se situe. Donc, on n'a pas besoin d'aller la chercher, etc. Et on voit qu'on gagne quand même un temps assez monstrueux. Je pige pas tout, mais c'est passionnant, dit Colprise. N'hésite pas à poser des questions. Hein. C'est des trucs que tu veux qu'on t'explique, il n'y a pas de souci. Pour redraw que les cells de la trajectoire des fourmis et pas toute la map. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, en fait, c'est même pas forcément la trajectoire des fourmis. C'est toutes les cellules qui ont connu des modifications, on l'ajoute à notre liste et on ne va modifier que celle-là. C'est-à-dire que toutes les cellules, là, typiquement, qui sont des murs, bon, elles ne changent pas, donc on ne va pas les redessiner. Les cellules sur lesquelles les fourmis, tu vois, ne sont pas passées depuis un moment, donc elles ont une valeur de phéromone qui est à zéro, leur type ne change pas, il n'y a pas de fourmis dessus. Donc elles, pareil, il n'y a pas besoin de les redessiner. Et finalement, en fait, on va remodifier que les cellules qui sont légèrement orangées, ces cellules qui sont là, etc. Et d'ailleurs, là, on voit que pour le coup, coup de bol, elles ont trouvé un chemin qui est plutôt pas mal entre la fourmilière et la bouffe. Alors ça,
Et parce qu'on est cool, maintenant, si on leur fout un mur ici, ben, ça va plus être la même. Alors là, on va voir des fourmis qui vont traverser le mur, c'est normal. C'est parce que ces fourmis-là, en fait, elles reviennent sur le trajet qu'elles avaient fait initialement. Et dans ce cas-là, on ne contrôle pas pour savoir est-ce que oui ou non, on peut passer ou pas. On y va, point barre, même s'il y a un caillou qui arrive entre-temps. Donc là, ce n'est pas très réaliste. Je vais commander un nouveau. Celui-là est plein. Ah, t'inquiète pas. Et puis, faut le mettre. Alors, par contre, il y a un truc qui peut être intéressant. Tous les codes des fourmis, là, je les mets sur GitHub. Donc, si vous voulez les récupérer sur le GitHub, vous pouvez. Et puis, vous pouvez vous amuser un petit peu avec, modifier les algos, etc. Franchement, faites-vous plaisir. Tiens, je vais faire ce que m'avait demandé WannaRock tout à l'heure, à savoir vider un petit peu les cellules, là. Là, on voit que ça en chie un petit peu. Ils sont pas déconnants. Moi, il veut plus que. Ah, ça y est. Il y a une sélection. Ah, hop. Tac. Alors, ce que je vais faire, par contre, maintenant qu'on a vu, vous voyez, qu'au niveau des temps, bon, on remonte un petit peu, mais ça vient au fait du fait qu'on a beaucoup plus de cases qui vont être impactées. Ce que je vais juste faire. Alors, par contre, je vais enregistrer quand même ça. Save. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le console.log qui, là, pour le coup, vraiment consomme du temps dans la simulation. Donc, lui, c'était le log qui est ici. Merde, je pense que je ne vais pas aller aussi loin. Supre. Voilà. Et donc là, on réactualise. On est reparti. On descend la vitesse de simulation. On va partir à 100 millisecondes. Et puis, hop, on est parti et on envoie les cocottes. Et on s'aperçoit quand même qu'on a un affichage qui est quand même plus rapide que ce qu'on avait tout à l'heure. Avec 15 fourmis de mémoire, on n'a jamais eu d'affichage aussi rapide que ce qu'on a là. Et ben voilà, bah écoutez, oui, je m'étais dit, j'arrêterai à 11h. Il est minuit. Voilà. Vous êtes quand même 20. Vous êtes 20 à être resté jusque-là à minuit. Franchement, chapeau bas à vous. Bon, du coup, on n'a pas vraiment bossé sur l'algo des fourmis, donc c'est un truc sur lequel il faudra quand même qu'on revienne à un moment ou à un autre, histoire de s'amuser un petit peu. Mais en tout cas, moi, ce que je vais faire, donc je vais vous mettre ça sur le GitHub. Je vais remettre un petit peu de doc, là, commenter un petit peu les deux, trois fonctions qui ont été faites. Amusez-vous avec, faites-en quelque chose. Et puis, ce qui serait intéressant, bah, si vous avez des trucs assez cool, Wanarock, il avait fait un fork, lui, sur son GitHub du code, et il avait apporté quelques modifications. N'hésitez pas à nous en faire part sur le Discord. Moi, j'étais allé voir, j'avais téléchargé son code et tout, j'avais regardé. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je sais pas, on pourrait se faire un live où, par exemple, bah, je récupérerai les codes que vous avez faits. Et puis, on pourra comme ça comparer peut-être les résultats que vous obtenez sur des cartes particulières, sur des choses comme ça. Ça pourrait être top cool, quoi. Donc, avec peut-être des paramètres de phéromones que vous avez trouvés. Parce que voilà, on a quand même deux, trois petites choses qu'on peut gérer. Hein. Je vous disais, la vitesse, par exemple, d'évaporation des phéromones, si je l'augmente un petit peu beaucoup, bon, bah là, on voit que les phéromones, elles s'évaporent très, très rapidement. Donc, on peut vraiment, là, un petit peu moins vite. Puis, on peut aussi déposer davantage de phéromones à chaque fois qu'une fourmi passe sur une case. Bref, il y a vraiment pas mal de réglages qu'on va pouvoir faire. L'importance d'une phéromone, etc. Donc ça peut être voilà, ça peut être cool. Il y a moyen de s'amuser un petit peu là-dessus. Bon, écoutez, minuit, je pense qu'on va arrêter. En plus, je crois que j'ai reçu un message de ma femme qui m'a dit je te quitte. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu un. Je pose une phéromone dans le lit pour te guider dans la bonne direction. Voilà. Vous voyez, elle perd pas le nord, ma chérie. Donc, c'est aussi pour ça que je l'aime. Voilà. Donc, petit rappel, donc on se retrouve demain à 15h pour ceux que ça intéresse sur un deuxième épisode WinDev, un petit peu plus trapu, un petit peu plus poussé de ce que j'ai compris dans les explications que m'a donné Christophe. La révélation finale par rapport au teasing de tout à l'heure. Et puis, bah, si vous n'êtes pas encore follow de la chaîne, n'hésitez pas à follower si la chaîne vous intéresse, etc. C'est cool, puis comme ça, bah, vous serez informé.
quand il y a des nouveaux lives. Les lives, normalement, c'est tous les jeudis, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, à 18h. Et puis, il y a le Discord, pareil, où vous pouvez aller. Il y a le YouTube, où vous pouvez retrouver toutes les rediffusions. Enfin, pas toutes, mais une partie des rediffusions quand j'ai le temps de les mettre dessus. Donc voilà, il y a tout plein de choses. N'hésitez pas à aller sur tout ça. Un petit peu de forçage aujourd'hui. C'est en général, encore une fois, j'en fais jamais. Mais là, j'en profite. Voilà, je vous donne tout ça. Il y a aussi un Twitter. Mais oui, un Twitter où j'écris pas souvent, mais de temps en temps, je dis, tiens, on va faire un truc. Et puis, merci le prof cool. écoute, merci à toi, c'est cool d'être venu. On aura peut-être l'occasion de se recroiser, ce sera cool. Et en attendant, une excellente soirée à toutes et à tous. Reposez-vous bien, profitez du week-end quand même un petit peu, si c'est possible. Et moi, je vous dis, pour ceux que ça intéresse, à demain après-midi. Et puis sinon, pour les autres, à jeudi prochain. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Ciao! Ah oui, attendez, attendez, vous sauvez pas, on m'a parlé d'un teaser que j'avais oublié de faire. Redis-moi, Xen, c'est quoi le teaser dans le salon bot? Redis-moi, Xen, qu'est-ce que c'est l'histoire du teaser? Réexplique-moi un petit peu, putain, je me souviens plus. Le teaser dans le salon bot, il y a un teaser dans le salon bot où... coucou, c'est moi. Je t'ai mis un lien YouTube sur Discord. Alors, non, c'est pas ça, c'est pas mon Xen. Bon, Xen, ça se trouve, il a déjà quitté en disant ah, il m'a oublié. Partage le salon bot dans la catégorie admin. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si vous voulez que je partage le salon bot. Alors, le salon bot, le salon bot, le salon bot, le salon bot. On a un salon bot, oui, dans la partie admin. On a un salon bot, d'accord. Tu veux que je fasse quoi? Ah! Plein de nouveaux rôles. Ah, c'est pour que les gens, mais tu veux que je... Mais tu veux que je fasse... Ah oui, c'est pour expliquer un petit peu. Ah, le teaser, ok. Ça y est, je l'ai. Ok, ça marche. Donc oui, on prépare aussi un autre truc pour les personnes qui sont inscrites sur le Discord. C'est la possibilité, si vous vous sentez à l'aise avec un langage, si vous avez l'habitude de manipuler une technologie, etc., ça va être, c'est pas encore tout de suite, mais ça en approche, de pouvoir justement sélectionner un rôle ou plusieurs rôles en disant, tiens, moi je suis balèze en bébé, c'est ce que nous dirait Circular. Par exemple, Sukato, il nous dirait, moi je suis une tête en TS, en JS, en Node.js, et puis c'est déjà pas mal. Christophe, lui, il cocherait tout, par exemple, parce que c'est une tête partout. Je suis balèze en rien, mais c'est pas grave. Le but, c'est pas d'être balèze en quoi que ce soit, mais c'est juste de pouvoir identifier des gens qui ont choisi justement un rôle pour indiquer à la communauté, tiens, moi, je sais me débrouiller en C, par exemple. Donc, si vous avez des questions, vous faites un arrobas C. Et ça va envoyer votre message directement à toutes les personnes qui ont le rôle balèze en C. Et donc ça, c'est un petit peu l'objectif donc qui est en train d'être mis en place, quelque chose qui arrive. Et donc, vous pourrez voir aussi les petits pictos que s'est amusé à faire Xen. Il y en a certains dont celui de Rust qu'il a recréé. Celui de Delang aussi, il l'a refait intégralement. Bref, l'ami s'est bien amusé. Et donc, encore une fois, félicitations à lui. Voilà, donc on va au-delà du teaser. On est aussi dans les remerciements, les félicitations, mon cher Xen. Et donc voilà, mais tu as bien fait de me le rappeler parce que je t'avoue, j'avais complètement zappé. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, donc ça se prépare. Et puis, donc, bientôt, vous aurez accès à tout ça et ça vous permettra. Si vous vous sentez ou si vous avez envie de justement d'être appelé pour certaines thématiques, d'être contacté par rapport à certaines thématiques, eh bien ces rôles vous permettront de le faire. Voilà. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Une bonne soirée à toutes et à tous, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!